Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'ambre de la discussion dominicale sur les faits saillants de l'actualité nationale et même sous d'autres latitudes parcourues par la presse. Ce parcours télévisuel met en scène, vous le savez, journalistes, analystes et leaders. Permettez-moi donc de recevoir mes covoituriers pour ce dimanche 29 juillet 2018. Assongmon Nekdem, bonjour. Bonjour, Rodrigue. Et bienvenue. Bienvenue. Merci. Vous êtes chef de service politique du quotidien Le Jour. En effet. Je vous accueille avec cette actualité qui vous a certainement retenu votre attention, celle de la All Anglophone Conference programmée pour la fin du mois d'août sous l'initiative de Cardinal Christian Toumi. Est-ce que ça suscite chez vous un commentaire? Est-ce qu'il y a des espoirs? Est-ce que c'est le principal espoir pour sortir de la crise dans le Nosso? Des commentaires, oui. Des espoirs, je ne vais pas m'avancer très tôt, mais toujours est-il que c'est une proposition concrète jusqu'ici. C'est-à-dire, lorsqu'on observe tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait jusqu'ici, dans le débat concernant le dialogue autour de cette crise, c'est la proposition la plus concrète. Et d'abord, j'aimerais faire une précision. Je préfère qu'on parle de la conférence générale anglophone, qui est différente de la All Anglophone Conference. Parce qu'il y en a eu deux. Il y a eu une première en 93, il y a eu une deuxième en 94. Et un échec en 95. Voilà. Et je préfère faire la distinction parce que lors des précédentes conférences, c'était les ressortissants des régions anglophones qui, du nord-ouest et du sud-ouest, qui s'étaient réunis pour faire un inventaire et puis mettre sur la table un certain nombre de revendications portant sur leur reconnaissance, sur la reconnaissance de leurs droits dans l'État. Cette fois-ci, il s'agit d'une instance de dialogue dans un contexte de crise. Vous voyez, d'abord, les acteurs ne sont plus les mêmes. Parce qu'il y a certainement d'une part le gouvernement, d'autre part les belligérants, ceux qui ont des revendications et la médiation. L'Église ici, pas seulement l'Église catholique, les Églises se proposent ici d'être des médiateurs, avec dans cette médiation une personnalité, une figure de proue de la société civile qui est le docteur Simon Mounzou, avocat, et qui a fait une longue carrière dans le système des Nations Unies et a une longue expérience dans la résolution des conflits. Vous voyez. Donc, de l'espoir. Je me dis, c'est la proposition la plus concrète et elle a l'avantage que le cardinal prend l'opinion à témoin et met sur la table un cadre de dialogue concret. Maintenant, il revient au président de la République, au pouvoir public, d'apporter une réponse. Et il n'y a pas que le cardinal, il y a les imams de Bouya. Et de Bamenda également. Monsieur Bidon, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous avez suggéré il y a quelques semaines que le cardinal Christian Toumi entre en scène pour la résorption de cette crise. Il est parmi les visages que vous avez souhaité avoir comme médiateur pour la sortie de crise. Je ne pense pas. Je ne pense pas avoir votre position dessus. Mais je voudrais dire que la politique aux politiciens, l'Église au prélat. Parce que, vous voyez, l'État a entrepris des démarches qui allaient dans le sens de l'apaisement dans la crise anglophone. L'État a ciblé des interlocuteurs. Ces interlocuteurs se sont trouvés être désavoués. Au nom de quoi on pourrait penser que quand l'Église se mêle dans la résolution d'un conflit, on pourrait avoir une solution idoine? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le cardinal Christian Toumi a montré à plus d'un titre qu'il pouvait être partisan. J'interroge la sincérité du cardinal Christian Toumi dans cette affaire. Mais toujours est-il que le dialogue est souhaitable. Je suis de ceux qui voudraient qu'il y ait un dialogue. Mais pour dialoguer, il faut être deux, il faut parler le même langage. Dialoguer avec qui? C'est là toute la question. Parce que le gouvernement a pris des dispositions, a envoyé
un ancien premier ministre pour aller dialoguer, il a été chassé. On a envoyé tous les membres du gouvernement original de ces zones. Ils n'ont pas été écoutés. Alors, faut-il que le gouvernement s'incline face à la détermination d'un groupe de voyous qui ont décidé d'organiser la partition du Cameroun? Moi, je dis, je partirai à Bouya pour ce dialogue, mais je ne partirai pas parce que l'Église s'est emparée de la question. Ce n'était pas un sujet en débat, Saint-Éloi Bidoum, mais vous avez bien compris pourquoi je pensais que vous avez suggéré que le cardinal Christian Toumi entre en scène. Les téléspectateurs ont bien compris pourquoi j'ironisais ici, parce que je sais très bien quelles sont vos positions par rapport à la médiation organisée autour de la crise anglophone. Votre sujet d'entrée, je vous accueille avec ce sujet d'entrée, c'est le maire de Saint-Élima, André Noël-Essien, qui a été placé en garde à vue au tribunal criminel spécial et puis relaxé le lendemain. Vous, en tant que membre d'un exécutif communal, vous êtes adjoint au maire de Yaoundé 6. Vous êtes senti concerné par cette question-là? Tout à fait. J'ai perçu un message fort de la part de l'État qui demande au maire de s'arrimer aux méthodes modernes de gestion de la fortune publique. J'ai perçu à travers cette interpellation, un message du président de la République, un message fort du président de la République, à continuer le combat de la lutte contre la corruption sans économie d'énergie. J'ai compris à travers cette interpellation que une vaste opération de salubrité politique était en train de s'organiser pour assainir les mœurs au niveau des exécutifs communaux. Ces interpellations m'amènent à poser deux questions. D'abord, sur le profil des maires. Le Cameroun est le seul pays au monde où il n'y a pas de profil de carrière politique. On peut se lever un matin, passer de chauffeur à laveur de voiture, de laveur de voiture à cuisinier, et on se retrouve à la tête d'une mairie. Et vous n'avez pas de problème avec laveur de voiture? Non. Je voudrais tout simplement dire que il faudrait un minimum de tri. Et tout ceci est dû au fait que la démocratie, qui est un des principes essentiels de la qui accompagne la décentralisation, se trouvait être biaisé au niveau de la désignation des maires. Parce que si vous prenez un parti comme le RDPC, qui, au lieu d'organiser des élections au sein des conseils municipaux, procède plutôt à l'investiture des personnes. Alors, vous voyez que quand on laisse la latitude aux uns aux autres d'investir des maires, à la limite, on s'en fout. Mais c'est les investitures parmi les conseillers municipaux qui ont été élus déjà au suffrage universel. Non, les conseillers municipaux eux-mêmes sont déjà investis. Mais élus au suffrage universel, les conseillers municipaux. Mais vous voyez que la désignation se fait parmi des personnes élues, on ne va pas dire que le RDPC, votre parti, désigne de façon autoritaire les maires. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis que quand on vient procéder à des investitures au cours d'une assise du premier conseil municipal où on doit élire le maire, ça ne fait pas sérieux. Mais il y a le consensus. Mais ce n'est pas un sujet. Est-ce qu'au débat, j'accueille le troisième invité, Paul Mael. Bonjour. Bonjour, Rodrigue. Bonjour aux copanélistes et bonjour aux téléspectateurs. Je vous dis bienvenue à Canal Presse en souriant. Vous avez parfois présenté cette émission. Oui. Il y a quelques années, j'étais à votre place. Ça me fait un peu bizarre de vous retrouver ici aujourd'hui. Mais bon, je suis tout heureux de retrouver la maison que je connais, les collègues également. Avec lesquels vous êtes journaliste en retrait maintenant, vous vous consacrez à la communication politique, vous êtes porte-parole d'Akeremouna et du mouvement NAO pour la présidentielle. Oui. Non, mais justement, à ce titre, je me sens interpellé doublement par les interventions de mes deux précédents copanélistes. D'abord, celle de la Sengbeng, pour dire que je salue
effectivement la démarche, contrairement à Saint-Éloi, je salue la démarche du cardinal Christian Thomy. On ne peut pas aujourd'hui commencer à pleurer sur le lait répandu, parce que les torts peuvent être rejetés d'un côté comme de l'autre. Je ne sais pas si Saint-Éloi avait très bien suivi le début des négociations au début de la crise anglophone. Moi, à l'époque, j'étais encore journaliste d'actif, donc il y a quelques informations que j'ai là-dessus. Donc, si on part sur le ping-pong pour dire que le gouvernement avait fait ceci et ceci avait refusé et ceux-là ont fait ceci, on ne s'en sort pas. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une crise qui dure depuis 2 ans, qui a déjà près de 200 000 déplacés internes. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, il y a des activités économiques qui sont en frein et il y a des conséquences par la suite qui vont se faire ressentir parce qu'il faut dire que la zone anglophone est essentiellement agricole et ça fait 2 ans que les gens ne sont pas allés aux champs, qu'ils n'ont pas cultivé. Il y a des conséquences économiques énormes qui vont s'en suivre. J'ai vu une vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle n'est pas vraie, qui fait état de ce que les brasseries du Cameroun sont en train de sortir de la région du Sud-Ouest. C'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est sur les réseaux sociaux, on ne peut pas partir. Voilà, on attend effectivement la confirmation des brasseries. On ne peut pas aujourd'hui commencer à repartir sur se jeter les torts. Moi, aujourd'hui, quelle que soit l'initiative qui vise à apporter la calmie et la paix dans ces deux régions, elle est la bienvenue. Douter de la sincérité du cardinal Thomy, je pense que c'est un peu fort de café. Je pense que dire qu'il est partisan parce qu'à un moment donné, il a déploré un certain nombre de choses que nous-mêmes qui sommes dans la zone francophone avons déploré, je pense que c'est aussi fort de café. Je pense qu'aujourd'hui, si le cardinal Thomy et un certain nombre de leaders religieux ont pris sur eux d'engager la médiation, parce qu'on est aujourd'hui, Saint-Éloi, au niveau où ce qu'il faut, c'est la médiation. Il faut d'abord qu'il y ait des gens qui disent aux gens, arrêtez, venez, on discute. Quant au choix des interlocuteurs, on sait qui est l'interlocuteur d'un côté, on sait qui sont les interlocuteurs de l'autre côté. Il faut que les gens s'asseyent et discutent, quel que soit le médiateur, quel que soit comment c'est venu. Il faut qu'on salue ça. Mais ce n'était pas votre sujet d'entrée. Je vous en recueille avec le sport. Sven Goran Eriksson est arrivé au Cameroun, il est reparti. Il n'a pas signé un contrat avec la Fédération camerounaise de football. On attend toujours un sélectionneur. Est-ce que tous les contacts sont rompus avec lui? Vous avez eu des informations à ce niveau? Oui, tous les contacts sont rompus avec lui parce que d'abord, le ministre des Sports, Pierre-Ismaël Boudonpat, ne voulait pas trop entendre parler de lui, parce qu'il a, peut-être son choix à lui. Donc, il parle d'un contrat onéreux. Oui, il voulait, et puis Sven Goran avait des honoraires assez élevés, il demandait 65 millions, le ministre était prêt à en mettre 30, ce qui était largement en deçà de ses prétentions, et 30 millions, c'était pour tout son staff, c'est-à-dire il venait, lui, Sven Goran, avec 3 personnes derrière lui, et le ministre pouvait payer 30 millions pour les 3, et lui, il en voulait 65, donc il avait des honoraires assez élevés, et déjà au départ, ce n'était pas le choix du ministre des Sports, c'était un choix qui voulait être imposé par la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, les contacts sont plutôt repris avec un duo hollandais, Patrick Kluivert et l'ancien entraîneur du Milan, assez joueur humilité, Clarence Seedorf. Voilà, c'est le duo Seedorf et Kluivert qui est pressenti aujourd'hui parce qu'ils ont eu des contacts avec la délégation camerounaise pendant la Coupe du Monde en Russie. Mais sur ce sujet, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quelque chose qui me fascine dans ce pays. Quand on cherche un président de la République, comme c'est le cas en ce moment, on cherche un Camerounais. Quand on cherche des directeurs généraux d'entreprise, on cherche des Camerounais. Quand on cherche des ministres de la République, on cherche des Camerounais. Quand il faut chercher un type qui va diriger 23 gares qui courent derrière un ballon sur une pelouse, on se croit obligé d'aller rechercher un blanc. C'est quelque chose qui m'étonne. Et qu'on en soit aujourd'hui à parler de Seedorf, Kluivert, qui n'ont aucun CV en entraîneur dans un pays où... Kluivert et Seedorf ne sont pas blancs. Ils sont occidentaux. Ils sont occidentaux. Dans un pays où vous avez Jean-Paul Lacono qui a été médaillé d'or olympique de football, dans un pays où vous avez Joseph-Antoine Bell qui est un entraîneur reconnu, vous avez Rigobert Song qui a une carrière de football prolifique et qui commence une carrière d'entraîneur, pourquoi ne pas constituer un duo, un trio, je ne sais pas quoi? Pourquoi être toujours en train d'aller... Vous imaginez, on était prêt à donner 30 millions de francs quand même à Sven Goran Eriksson s'il les avait acceptés. Je trouve que c'est énorme. Dans 30 millions le mois. Alors qu'on a refusé 5 millions à Kono Jean. J'accueille, merci Paul Maël, j'accueille le quatrième invité à Canal Presse ce soir, Henri. Ce jour, Henri Séverin Diassembe. Bonjour. Henri Séverin Diassembe. Tu sens que tu es dans le football. Bonjour. Voilà, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2. Vous êtes expert en évaluation des politiques publiques, vous êtes expert en gouvernance, en décentralisation. Mais avec vous, vous êtes dans les milieux universitaires, donc avec vous, je voudrais revisiter cette opération relancée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Femme Ndongo, qui a procédé à la remise, à la distribution d'ordinateurs PBHEV dans les IPES, les instituts privés de l'enseignement supérieur, cette semaine. Alors qu'on a convoqué le corps électoral, les ordinateurs sont estampillés PBHEV. Des analystes estiment que c'est une campagne électorale qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je ne pense pas que des actions sont essentiellement des actions électorales.
la distribution des ordinateurs a même trop tardé. C'est des ordinateurs qui sont très attendus parce que c'est des ordinateurs qui sont très, très utiles. Vous savez, si des ordinateurs sont achetés suivant les prix qui ont circulé à 300 000 francs et qu'en un mois, les 300 000 francs peuvent être amortis à travers la production qui en est issue, je pense qu'on on perd beaucoup de temps à les thésauriser au sein des magasins. C'est des ordinateurs qui doivent être rapidement distribué, mais cette distribution doit être accompagnée de mécanismes de valorisation, parce que le tout n'est pas de mettre à disposition des étudiants un ensemble d'outils, mais il faudrait bien, pour atteindre les objectifs escomptés, que ces outils soient accompagnés de mécanismes de valorisation. C'est peut-être à ce niveau qu'on pourrait suggérer au gouvernement d'être plus attentif, d'être plus sensible à la question de l'utilisation, de la valorisation de ces ordinateurs, de telle sorte qu'ils puissent véritablement servir à leur marque, c'est-à-dire à la haute vision du président de la République qui a opéré ce choix d'investissement. Et c'est distribué pendant la période électorale, le corps électoral a été convoqué. Je disais tout à l'heure qu'il y a des analystes qui estiment que c'est une forme de campagne déguisée. C'est leur rationalité, c'est-à-dire que toutes les actions posées concourent à atteindre un objectif. Que cette distribution se déroule pendant la période électorale, moi, ne me fais pas penser qu'il s'agit d'une action de campagne électorale. Il s'agit d'une action de mise en œuvre des options de politique publique. Il s'agit d'une action de déploiement d'un investissement. Ça a quand même coûté 75 milliards, suivant les chiffres qui ont circulé. Et il est de bon ton que les 75 milliards puissent servir à quelque chose, puisqu'il s'agit d'un investissement, et que ces 75 milliards se transforment en termes de production en double, en multiplié par 5, multiplié par 10. Donc, je vais revenir sur mon propos de départ. Il faudrait que ces ordinateurs soient distribués le plus rapidement possible, parce qu'un actif thésaurisé est un actif improductif. Il faudrait que nous soyons effectivement dans la productivité de cet investissement qui a coûté 75 milliards aux contribuables camerounais. Merci, merci Henri Séverin Assembe, Amadou Ngungan Mouchili. Bonjour, bienvenue. Bonjour Rodrigue. Vous êtes sous-directeur de l'assainissement urbain au ministère de l'Habitat et du Développement Urbain. Oui, tout à fait. Avec vous, on va discuter certainement des inondations à Douala et à Limbé. Vous allez porter la voix du ministère du MINDU sur ce plateau. Justement, je vous convie, cher monsieur, puisque le décor est campé, à suivre le menu de Canal Presse de ce dimanche. Et Gisèle-Pierre Essono est au fourneau, il nous le présente. Gigi n'habite pas à Yaoundé, mais c'est à Yaoundé qu'il déclara sa candidature en vue de l'élection présidentielle. Et maintenant, il fait un peu la danse Bafia, un pas devant, deux en arrière. Par la suite, il pourrait retirer sa candidature après publication de la liste définitive des candidats. Comme Gigi, une bonne vingtaine de candidats à la candidature sont dans cette posture. C'est la saison des alliances qui court, une saison de changement très climatique, pas côté ami traditionnel du RDPC, mais dans le camp d'en face. Mais dans ce camp, il y a encore ce qui inspire, surtout en provenance de la forêt presque tropicale. Olivier Billet connaît la viande, comme chanta Roger Tuilé. Cabral Libye connaît tellement l'université que Maurice Kamto souhaite le voir à l'œuvre, à vrai dire, mais pas pour le plaisir de le dire. Tiens, il y a comme auto d'affaires contre ou pour le grand prof dans cette affaire des t-shirts brûlés et qui ont percé le cœur à Maurice Kamto. Ces pareils actes qui ont certainement fait dire à Nijon Fundi qu'il avait peur et jusque-là, j'ignore si ce changement du côté du chairman du SDF a changé. Ce que je crois savoir, c'est qu'un vaste contentieux pré- et post-électoral va nourrir le Conseil constitutionnel pris en ses dimensions judiciaires et juridictionnelles. Petit Pierre a déjà posté que Joseph Lee a convoqué les militants avec la signature des ministres, que c'est Paul Biya, par le président de la République, qui a fait don d'ordinateur aux étudiants. Et comme on dit ici, les problèmes ont donc commencé. Limbé, l'eau qui tue. On est tenté de se demander où sont passés les géographes de ce pays, car ils n'ont pas dit à Paul Biya qu'il allait y avoir des adverses.
Je n'ai pas dit pluie diluvienne, mais c'est tout comme, car le Cameroun est en deuil pour avoir perdu 4 de ses enfants dans ces éboulements. Ce sont encore les géographes qui n'ont pas dit au gouverneur, tous du centre, du sud, de l'est et du Cameroun entier, qu'il était dangereux de construire sur les sites dits dangereux. Comment cela est-il arrivé? À qui la faute de ces effondrements et autres éboulements? Pour l'instant, moi j'ai mal. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canada International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canadainternational.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Bon appétit à vous, Gisèle-Pierre Issono. Si vous y êtes, le tableau sombre dressé par Gisèle-Pierre Issono indique une demi-dizaine de morts à Limbé dans la nuit du 23 au 24 dernier, d'importants dégâts matériels à Douala, touchés dans au moins 4 arrondissements. Paul Maël, très attaché à la ville de Douala, comment vous vivez ce drame? Écoutez, moi, les inondations, quand on en parle, je les vis dans ma chair, parce que d'abord, Douala, c'est une ville dans laquelle je vis depuis une trentaine d'années. Ma famille y est installée, je travaille à Yaoundé, mais ma famille est à Douala, donc je retourne à Douala tous les week-ends. Moi, les inondations, je les ai vécues quand j'en parle. J'en parle comme quelqu'un qui les a vécues, parce que j'ai grandi chez ma tante qui habite en Ngodi, un quartier qui est à Akwa, en plein centre-ville de Douala, et qui, toutes les saisons de pluie, était inondé parce que ce quartier est traversé par le cours d'eau qu'on appelle Mbopi, à Douala. Donc, toutes les saisons de pluie, nous, on était complètement inondés. Et ensuite, quand j'ai pris mon envol et je suis allé vivre tout seul, je suis également allé dans un autre quartier qui est également inondé. C'est à Sable, en Banya, entre Akwa Nord et Bounamoussa Dihi. C'est un nouveau quartier qui est né spontanément, comme la plupart des quartiers de ces 15 ou 20 dernières années. Et là également, c'est un quartier qui a été construit sur une zone marécageuse. Et j'ai découvert que là aussi, il y avait des inondations. Et aujourd'hui, les inondations dont vous parlez ont touché le quartier où j'habite. Moi, j'habite à la Cité des Palmiers. Ah. Et le carrefour de la Cité des Palmiers, qui est aujourd'hui en chantier, ça fait bientôt 3 ou 4 ans qu'il est en chantier. La Buse, on est en train de remplacer la Buse. Ça fait 4 ans que ça se fait. Et cet endroit-là également était inondé. Donc l'accès à chez moi était complètement coupé. C'est pour vous dire le drame. Je le vis dans ma chair. Les 4 enfants qu'on déplore à Limbé auraient pu être les miens, parce que comme je vous le dis, mon quartier, la Cité des Palmiers, a été également inondé. Donc c'est avec beaucoup de tristesse. Et dans mon récent passé de journaliste, j'ai eu à couvrir des inondations à Douala où des enfants sont également morts, au quartier Mambanda à Bonabéi, derrière le cimetière justement, où des enfants sont morts. Mais je voudrais juste terminer à sortir en disant que ces problèmes, et j'espère que l'expert du Mindu qu'on a sur le plateau éclairera notre lantenne là-dessus. Pour moi, il y a 3 principaux problèmes qui n'ont pas été résolus ces 40 dernières années. Le premier problème, c'est justement la construction anarchique qu'évoque Gisèle-Pierre Issono dans l'élément qui nous a produit tout à l'heure. Aujourd'hui, tout le monde construit où et n'importe comment, et sur des drains également. Le deuxième problème aujourd'hui, c'est que les drains, ils sont bouchés. C'est-à-dire que partout dans la ville, il n'y a pas eu... Quand on a lancé, par exemple, l'opération pour dire qu'il faut sortir des plastiques, des emballages non biodégradables... D'abord, cette mesure n'a pas été effective. La vendeuse qui est devant la boulangerie qui vous vend les avocats continue tranquillement à vendre dans du plastique non biodégradable. Et une fois que vous l'avez utilisé, vous le jetez dans le caniveau. Il n'y a pas eu de mesure pour drainer les carniveaux après. Et dernièrement, et Gisèle-Pierre le rappelle encore, l'un des principaux problèmes, c'est également qu'aujourd'hui, personne ne respecte les zones où il est interdit de construire. Regardez les abords de l'aéroport de Douala, par exemple. Toute cette zone-là est une zone marécageuse, fortement marécageuse. L'un des quartiers les plus inondés aujourd'hui à Douala, c'est le quartier Makepe-Misoke, qui est un quartier spontané également, qui est né après qu'on ait délocalisé la décharge. Ce quartier-là, c'est une zone excessivement marécageuse, mais on a laissé les gens venir s'installer là, venir construire là, sans que personne ne dise rien à personne. Éloi Bidon, alors, est-ce que ces questions-là peuvent être gérées au niveau des communes? Est-ce qu'une commune comme celle de Douala, première, deuxième ou troisième, peut prendre à bras le corps la question des inondations qui reviennent chaque année à Douala ou à Limbé, et peut-être même à Yaoundé, chez vous à Yaoundé 6. À Yaoundé 6, nous avons eu des cas d'inondation, des cas de dégradement de collines, il y a eu effectivement des morts. Mais je crois qu'il faut essayer de traiter le mal dans son origine. Parce que quand vous allez à Douala, Makepe ou... Paul Maël dit là, ben vous dites que c'est des candidats à la mort. La colonisation des marécages est sauvage. Alors, dans le cadre de Yaoundé 6, le maire
dès qu'il a été élu, Yoki Onana, s'est saisi de la question. Nous avons commis, il a commis une mission qui allait sur le terrain, qui était conduite par moi-même, pour dresser d'abord l'état d'occupation des zones humides, de dresser la liste de ceux qui occupent ces zones. Trois, essayer d'évaluer la superficie occupée par ces zones. Les résultats sont impressionnants. Quand vous arrivez à Etokos, au niveau de Simbok, vous vous rendez compte que un Camerounais a colonisé 8000 mètres carrés de terrain qu'il s'apprête à revendre à 100 000 francs le mètre carré. Alors, la commune a pris ses responsabilités. Nous sommes descendus sur le terrain, nous avons mis des croix et nous entendons repartir dans les jours qui viennent. Mais seulement, le mal est très profond parce que les populations autochtones qui sont censées être les gardiens des zones humides ont commencé à vendre les zones, ces zones marécageuses. Avec la complicité des chefs de quartier qui signent des certificats d'abandon de droit. Droit coutumier. Oui. Heureusement, par exemple, dans le cas de Yaoundé 6, que M. le sous-préfet a refusé les bornages de ces superficies. Et je vous rappelle, la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 n'est pas propriétaire d'un mètre carré de terrain. Pourtant, les gens viennent acquérir. Et quand vous voulez donc agir, le problème devient un problème politique. Assogmonekdem, est-ce que les inondations à Douala, à Limbé, c'est le fait, principalement, si on écoute bien Saint-Éloi Bidoum, c'est le fait des populations qui sont mal installées, qui ont acquis des terrains, ou bien des grosses pontes qui ont acheté des hectares et des hectares de terrain et qui ont mal redistribué. Est-ce que vous, qui avez vécu à Douala, sentez la situation de la même façon que Éloi Bidoum? Il y a forcément la responsabilité des personnes, la responsabilité individuelle. Quand quelqu'un prend sur lui d'aller s'installer dans un drain, dans une zone marécageuse, forcément, il s'attend à cela. Mais, je vais. Paul Mahel a pris le cas de Makepe Misoke. Moi, j'ai grandi à Douala et j'y allais. J'étais tout petit. À l'époque, tout le monde a vu la décharge Isakam. D'ailleurs, cette zone-là sentait mauvais. Aujourd'hui, vous allez là-bas, vous n'avez plus idée de ce que cette décharge-là existait. Pourquoi? Les gens ont tout fait, ils ont remblé, ils se sont installés. Aujourd'hui, il y a des immeubles à cet endroit. À l'époque, quand nous allions à Makepe, peut-être passé des week-ends, et lorsqu'il pleuvait, l'eau emportait toujours des enfants. Ça, je vous parle des affaires qui remontent à plus de 20 ans. On a laissé faire. Tout le monde a vu le phénomène prospérer. On a laissé faire. La commune a laissé faire. La communauté urbaine a laissé faire. Je suis désolé, le ministère de l'Habitat a laissé faire. L'État en général a laissé faire. Aujourd'hui, il y a un quartier qui est devenu très célèbre. Et il y a un revers à sa célébrité. C'est Mbanga Pongo. Mbanga Pongo est devenu célèbre à la suite d'un accident. Le crash d'avion du Kenya Airways. C'est la mangrove. Aujourd'hui, les populations sont installées en bas. J'y ai fait un reportage. J'ai dit, le rythme d'occupation de Mbanga Pongo est impressionnant. Par avion, c'est encore plus impressionnant. Impressionnant. Deuxième chose. Vous allez au cimetière du bois des singes. Là encore, c'est la mangrove. Les personnes se sont installées là et ils s'en vantent d'ailleurs en disant on a réussi à chasser l'eau. C'est-à-dire quoi? On a ramblé, mais on ne chasse jamais l'eau. On ne chasse jamais l'eau. Au contraire, lorsque vous refoulez l'eau, elle revient avec une violence encore plus forte. La preuve. Je ne comprends pas comment ces phénomènes ont pu se développer sous nos yeux pendant 30 ans, 20 ans. Et nous l'avons tous vu. Ça a été dit dans les médias. Mais ceux qui sont chargés
du développement urbain, ceux qui sont chargés de nos municipalités, monsieur le maire, désolé, mais je vous pointe d'abord, vous êtes les premiers responsables. Vous laissez faire. Henri Séverin Assembe, est-ce que, je reprends la question, est-ce que c'est plus le fait des populations que le fait de, d'une administration, fût-elle communale, fût-elle ministérielle? Pour ma part, il y a plusieurs phénomènes qui entrent en conjoncture. Le premier phénomène est le phénomène naturel. Face à la nature, il est difficile de faire quoi que ce soit. Le cycle naturel, ce qu'on appelle le déploiement des phénomènes naturels est cyclique, c'est-à-dire toutes les années, nous avons une saison de pluie, nous avons des périodes de grands risques et nous avons des périodes qui vont forcément amener les uns et les autres à se retrouver dans la vulnérabilité. Le deuxième phénomène à prendre en compte est le phénomène lié à l'urbanisation et à l'occupation des sols. Vous savez qu'avec l'urbanisation grandissante, le grand exode rural que nous vivons aujourd'hui, les uns et les autres s'emploient, se débrouillent à trouver un lieu d'installation en ville. Le troisième phénomène concerne bien entendu la timidité dans la mise en œuvre des options de l'État en matière de plan d'urbanisation et plan d'occupation des sols. Il est difficile de comprendre que les populations s'installent telles que les uns et les autres sont en train de le décrire sur des zones où tout le monde sait ce qui va se passer. Tout le monde sait ce qui va se passer dans une mangrove. Tout le monde sait ce qui va se passer dans une zone marécageuse. Et tout le monde sait exactement ce qui va se passer lorsque les drains sont bouchés et que les ruisseaux qui sont chargés de drainer les eaux vers des zones d'évacuation sont bouchés. Vous savez qu'en matière de cause, vous avez les drains qui sont bouchés, vous avez les ruisseaux et rivières qui sont chargés d'écouler cela, qui sont bouchés, et cela est encore aggravé par la grande imperméabilisation des sols. Vous savez, chaque fois que vous ajoutez une couche de bitume, vous réduisez la surface d'infiltration des eaux. Et chaque fois que vous menez des travaux dans des villes comme Douala ou Kribi, vous augmentez la vitesse des bassins versants vers les zones d'écoulement. Et cela augmente également le risque d'inondation que nous vivons au quotidien. Nous savons que toutes les années, de juillet à octobre, il y a de la pluie. Il est important que les services en charge de cela puissent mettre en œuvre, qu'on ait, par exemple, une cartographie des risques. Cela existe, mais que cela soit activé et que cela puisse être utile à quelque chose. Qu'on ait également une cartographie des zones à risque. Il y a la cartographie des risques, c'est une chose. Il y a la cartographie des zones à risque, c'est également une chose. Qu'on ait également des mécanismes, nos ingénieurs savent le faire, qui permettent de calculer le débit des pluies et le débit de ruissellement. Tout cela permettra donc à l'État de diminuer l'impact des phénomènes naturels tels que la forte pluviométrie qui existe dans alors, Amadou Ngunga Mouchili, la vulnérabilité. Est-ce que 4 mois à Limbé, le gouvernement ou bien tout au moins le ministère de l'Habitat et du Développement urbain accuse le coup? On n'a pas entendu. Non, je voudrais. On n'a pas entendu le moindre bilan, ni des municipalités, ni du gouvernement. Est-ce que vous accusez au moins le coup de la disparition de 4 personnes après ces inondations à Limbé? Non, je voudrais d'abord, avec votre permission, avoir une pensée pour les familles des victimes. On n'a pas besoin d'avoir 4 mois, 3 mois. 1 mois, c'est déjà trop. Et justement, le gouvernement, le ministère accuse le coup. Mais il faut dire que, à la suite de mes prédécesseurs, les causes semblent connues. Il faut aussi préciser que l'inondation, c'est le concours de plusieurs facteurs. C'est une cause naturelle. Une forte pluviométrie à Douala. Absolument. Et Limbé, on a noté des pluies diluviennes. Tout à fait, tout à fait. Lorsque une ville comme Douala ou Limbé reçoit en une journée l'équivalent de 2 semaines de pluie, il faut s'attendre à des inondations. Ça, c'est clair. Maintenant,
Il faut également dire que lorsque j'écoute les copanélistes, nous semblons tous connaître ce pauvre problème. On a parlé de causes naturelles, on a parlé de l'action de l'homme, de nous. Parce que j'entends dire l'État a laissé faire, la commune a laissé faire, c'est faux. Le maire venait de vous dire qu'ils sont descendus, ont mis des croix de Saint-André pour inviter les gens à quitter les lieux, mais personne ne quitte. C'était vous et nous, nos frères, nos soeurs, nos voisins. Mais ça ne dit rien, personne. Donc nous avons tous laissé faire. L'État n'a pas laissé faire parce que l'État a dicté les règles. Toutes ces villes, que ce soit Douala, Limbé et toutes nos grandes métropoles, sont dotées chacun d'un plan directeur d'urbanisme. On connaît très bien quelles sont les zones non édificandes, c'est-à-dire où il est interdit de bâtir. Ça, c'est connu, c'est diffusé, et tout le monde le sait. Ceux qui achètent des terrains savent très bien que là où je vais rembler, c'est une zone qui n'est pas prévue pour être habitable. Mais on est dans un contexte où c'est des questions humaines qu'il faut gérer. Je comprends un peu les réserves ou bien les du monsieur le maire. Parce que moi, je connais les maires qui sont aujourd'hui devant les tribunaux pour avoir démoli ce genre de construction. Ce n'est pas évident. C'est une question de responsabilité collective. Et comme il disait, individuel, parce que c'est vous qui prenez l'initiative de vous installer dans une zone. Parce que quand quelqu'un a fait 20 ans à Douala, qui connaît bien Douala, mais qui se retrouve à aller s'installer dans un marquage dont il a vu les effets par le passé, c'est pas l'État de, je ne sais pas moi, d'attirer son attention sur les dangers qui courent. Bien que ce travail soit fait, il y a un grand travail de sensibilisation qui est fait. Donc c'est toujours malheureux de voir ce qui se passe avec ces inondations. Mais il faut préciser que en termes d'inondation, ce n'est pas une exclusivité de Douala Limbé. On a suivi à Maroua, on a suivi à Paris. Hier encore, la Seine a débordé. Donc c'est une réalité avec laquelle il faut vivre. Il faut tout simplement savoir. Ici, ce n'est pas le Voury qui a débordé. Hein. Par exemple. Ce n'est pas le Voury qui a non, débordé. Non. On ne l'imagine même pas. On l'imagine pas. Mais je vous dis, en fait, c'est la mauvaise gestion de nos eaux qui nous rattrape. Oui, collective, je dis encore. Parce que laissez-moi vous dire que sont ceux qui bouchent les drains? Que sont ceux qui s'installent sur les drains? Les drains construits à prix d'or par l'État. C'est nous et vous. C'est vous, nous tous. Ce sont nos frères et sœurs, parfois, que nous passons. Je pense que la responsabilité est partagée. L'État continue à édicter des règles, à construire des infrastructures nécessaires au bon drainage des eaux. Les collectivités continuent à assurer l'entretien. C'est vrai que parfois, il y a des manquements à ce sujet-là, mais il faudrait que, de notre côté, nous, les principaux bénéficiaires de ces investissements, nous soyons capables de poser les problèmes entre nous. Mais ceux qui sont installés sur les drains maintenant, monsieur Micheli, ceux qui sont sur les drains en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est prévu par l'État pour éviter le pire? Parce que les pluies s'annoncent avec plus d'intensité pour les mois d'août et septembre. C'est les vraies saisons de pluie sous les latitudes tropicales. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas deux choses à faire. Il faut dégager les gens. Il faut déguerpir ces personnes, les recaser ailleurs. Ça, il n'y a pas trois solutions. C'est ça la solution. Parce que, de toutes les façons, vous ne pouvez pas bloquer le passage de l'eau. L'eau s'écoule de manière naturelle vers les bas-fonds. Donc, si vous vous installez sur les bas-fonds, alors attendez-vous à être inondé. Donc, il n'y a pas de solution. D'ailleurs, des directives ont été données aux délégués du gouvernement dans les principales métropoles de prendre des mesures pour dégager ces drains, dégager ces populations. Maintenant, c'est un process. Vous savez, on vit... Quelqu'un disait tantôt qu'il y a 20 ans, il était à Douala, déjà, les eaux emportaient les enfants. Donc, c'est un vieux phénomène. Il faut du temps pour mettre en place les solutions. Parce que tous ces gens qu'il faut dégager, il faut les recaser. Mais on ne va pas les dégager comme ça. Il faut qu'au niveau de la société civile, des populations organisées, qui est un appui de cette politique de l'État. Parce qu'on a très bien vu souvent, lorsqu'on avait pris les devants pour déguerpir les populations dans des zones non édificandes, on a plutôt reçu en retour des réactions pas toujours positives. Parce que les gens pensent qu'on est en train de dégager les gens, on les met. Donc il y a toute une politique qui est en train d'être mise en œuvre. C'est de produire des parcelles pour ces
ces gens qui sont là parce qu'ils sont en quête de parcelles, et puis de les dégager. Voilà un peu. Cette Éloi Bidoum, je reviens à vous, Paul Maré, dans un instant. Cette Éloi Bidoum, est-ce que on a prévu pour août-septembre à Yaoundé 6, je sais bien que la commune est concernée, quand on voit derrière le quartier Emia à Melaine, quand on voit vers la Cité Verte, et avant la Cité Verte, pour Yaoundé 6, on voit bien des marécages. Est-ce que vous avez prévu en août-septembre de fortes averses, et qu'est-ce qui est prévu pour la prise en charge? J'espère que vous n'avez pas pris les exemples de Melaine Polytechnique par hasard, ou l'exemple de la Cité Verte. Vous savez avant la Cité Verte. Vous savez qui a colonisé le marécage là-bas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Non, moi je ne sais pas. Ce serait bien que vous nous disiez pour qu'on soit tous au même niveau d'information. De toutes les façons, c'est pas des. Moi j'ai pris des exemples. C'est pas de petites pointures. Qui concernent Yaoundé 6. Ah, d'accord. Je voulais vous dire que l'action de la commune se trouve parfois bloquée. Bloqué parce que si vous décidez de déguerpir les populations qui ont colonisé les marécages, il y a des endroits Simbok où le fleuve Lamofou, la rivière Lamofou, a des pointes de 400 mètres de large. Et Lamofou se trouve réduite à 8 mètres de large. Imaginez quand la nature veut reprendre ses droits. Et dès que vous voulez déguerpir les gens, le problème devient politique. On vous accuse de faire la chasse, bon, comme par hasard, hein, c'est peut-être deux tribus qui ont la culture du marécage. On vous commence à vous taxer de tous les noms, vous voulez chasser les gens de chez vous, ainsi de suite. Or, ils vous posent toujours la question de savoir pour qu'on aille où. Qui peut se prévaloir de ses propres turpitudes? Mais je vous dis que quand ils s'installent, c'est bien, mais quand il y a des problèmes, c'est la commune qui répond. Nous avons eu 4 morts dans une zone non édificante, comme il a dit tout à l'heure, derrière le camp Sik de Mendo, il y a eu 4 morts dans une famille. Et si vous allez, par exemple, à Kwandoué, là où vous avez fait un reportage dessus, où une pierre qui pèse des millions de tonnes, bon, des millions. Oui, oui, non, le mont, le mont à compte des tonnes, qui est sur le point de se détacher. Vous imaginez ce que ça peut créer comme catastrophe? Je pense, Rodrigue, que la question de la gestion foncière ne relève pas fondamentalement des communes. Et la jeter comme cela sur les communes... Non, on parle de la prise en charge, ce qui est prévu pour août et septembre, au niveau de la commune. Il faut commencer par l'amont. Le jour où les communes se sentiront responsables de la gestion foncière, elles s'impliqueront un peu plus dans la prise en charge des problèmes qui en découlent. Gouvernance, vous invitez à l'accélération de la décentralisation. C'est ici l'occasion d'inviter un dialogue plus approfondi entre l'État central et les collectivités territoriales décentralisées pour la prise en charge de la question foncière, de telle sorte que les collectivités aient quand même leur part. Parce qu'aujourd'hui, nous posons des problèmes d'urbanisation. Si l'urbanisation relève au plan conceptuel des collectivités territoriales décentralisées, au plan factuel, ces derniers ne maîtrisent pas le sol. Et à partir du moment où vous ne maîtrisez pas le sol, vous avez des difficultés à prendre en charge les effets qui découlent des aspects qui ont été pris en charge par quelqu'un d'autre. Donc, demander à Saint-Éloi de dire ce qu'il fera en septembre. Ce qui est prévu. Est-ce qu'on croise les doigts? Est-ce qu'on croise les bras aussi? On se dit, on attend tranquillement août, septembre, quand les pluies seront plus fortes encore. Avant de répondre à votre question, Rodrigue, permettez que je réagisse juste 2 secondes sur l'intervention de M. Mouchili tout à l'heure, qui rejoint un peu celle de mon confrère Assombo, pour dire que je trouve que c'est quand même assez facile de dire que la responsabilité est collective parce que des gens vont s'installer sur les drains et tout. Il y a un problème. Nous sommes ici en train de parler de la responsabilité de l'État. Qui a une... non, je vous explique. Il s'agit de la responsabilité de l'État. C'est-à-dire que les citoyens ont mandaté l'État pour mener à bien... Doté de la puissance publique. Publique, pour mener à bien la gouvernance, pour permettre aux gens de s'installer confortablement. Je voulais revenir sur l'exemple que Saint-Éloi a pris tout à l'heure pour ce qui est de sa commune, pour dire qu'il ne me souvient pas, je ne sais pas, quelqu'un d'autre peut me dire sur le plateau, je n'ai jamais vu 150 personnes venir s'installer à un endroit et construire le même jour. Ça commence toujours par un type qui vient, qui achète un terrain, qui construit une maison, et après un autre type arrive, et un troisième arrive, et ainsi de suite. Pourquoi quand on voit le premier type commencer à faire sortir sa fondation de terre, on ne vient pas lui dire, monsieur, arrêtez? Parce que si vous arrêtez ce type-là,
les autres ne viendront pas. Les autres viennent parce que vous avez laissé ce premier type construire et il y a 50, le jour où vous réveillez, il y a 150 personnes sur le site. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Donc, il y a une responsabilité de l'État. Il y a aujourd'hui, et Henri Séverin a effleuré la question, une vraie cacophonie autour de tout ce qui est de la gestion des questions urbaines. Qui fait quoi? Vous avez la commune. Après, vous avez la communauté urbaine. Vous avez le ministère de l'urbanisme. Vous avez le ministère du développement urbain. Vous avez le... Oh non, pour la protection civile, j'arrive. Mmh. Vous avez le ministère de l'environnement. Vous avez le ministère de la ville. Qui exactement est chargé de faire quoi et de dire qu'on ne s'installe pas ici ou on ne s'installe pas? Parce que les conflits que vous évoquez, quand M. Mouchili, vous dites que vous connaissez des maires qui sont allés en prison parce qu'ils ont commencé à dégager les gens. Qui sont en justice. Parce qu'ils ont dégagé des gens. Mais c'est parce que simplement, il y a cette cacophonie-là autour de qui fait quoi. Quand vous dites, quand vous le minduez, vous dites qu'on ne fait pas ça, le domaine des affaires foncières va venir dire que non, non, on peut le faire. Après, la ville va venir dire que c'est moi qui gère. La communauté urbaine s'ingère. De parce qu'il faut d'abord une clarification au niveau de qui est censé faire quoi, de manière propre. Il ne faut pas donner l'impression qu'il y aurait une cacophonie. Les missions de police municipale relèvent des collectivités décentralisées. C'est le maire qui est chargé, qui donne tous les actes d'autorisation d'occupation des sols. Il n'y a pas de confusion à ce niveau. Okay. Au niveau national, il s'agit d'édicter des règles. La communauté des règles. Urbaine. La communauté urbaine. Moi, je parle des collectivités. La communauté urbaine n'est qu'une forme particulière des collectivités. Vous voyez déjà ce que j'étais en train de dire. Permettons à Amadou Mouchili d'aller jusqu'au bout. Non, je dis de refermer très vite la parenthèse. Qu'il y a un problème au niveau des autres. À ce moment, permettons à Mouchili de refermer sa parenthèse rapidement. On peut voir le désordre où on veut. Mais je dis que sur le plan des textes, c'est clair, vous ne verrez pas le Mindu aller jouer, à remplir les missions de police municipale. Le Mindu ne donne pas d'autorisation d'occupation de sol. C'est la collectivité locale décentrée, c'est-à-dire la commune, c'est le maire qui donne tous les actes. Que ce soit le certificat d'urbanisme. Donc, vous avez au moins pu voir que la réaction de Saint-Éloi montre que ce n'est pas très clair de toutes les façons. Pour terminer, moi je voudrais sortir en disant on dit de manière triviale que gouverner, c'est pouvoir. Les problèmes dont nous sommes en train de parler aujourd'hui sont des problèmes qui datent de minimum 40 ans. Moi, je vous ai dit, je suis à Douala depuis 35 ans et les problèmes d'inondation existaient déjà avant que je n'arrive. Donc, ça fait au moins 40 ans. Et en 40 ans, la question est de savoir qu'est-ce qui a été fait. Je suis d'accord que M. Mouchili, et c'est l'excuse que tout le monde nous avance depuis qu'on parle des inondations à Douala, mais tout le monde nous dit, ah, écoutez, les inondations, on les retrouve même à New York, à Paris et partout. Je suis vraiment d'accord. On évoquera les solutions durables dans un instant. Dans ce qui est immédiat. J'ai dit qu'il y a des pluies, ce n'est pas moi qui le dis, nous pouvons le constater, il y a des pluies qui arrivent avec plus d'averses en août et en septembre. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on est en août dans une semaine, Rodrigue. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire en une semaine? Vous pensez qu'on va déguerpir? Est-ce qu'on croise les doigts en second exemple? Justement, je voudrais inscrire le problème dans un contexte plus global. Mais avant cela, a-t-on déjà conçu autour de la présidence? Il y a des terrains vagues là-bas. Monsieur le maire, Monsieur Mouchili, vous avez déjà vu quelqu'un construire là-bas? Il y a le chantier du ministère des travaux publics. Vous avez déjà vu un individu venir bâtir une maison? Non, je ne crois pas. Autour de tout l'espace vaste qu'il y a autour de la présidence, c'est parce que chacun sait qu'il ne peut pas se hasarder à faire cela. Non. Donc, il faudrait donner la GP. Les gens construisent sur les drains parce qu'il n'y a pas de coercition. Parce qu'il n'y a aucune coercition, il y a un laisser-aller. Ça, d'abord, il faut déjà l'accepter. Ça, c'était la parenthèse. Maintenant, je voudrais inscrire le problème dans un contexte plus global. Vous savez combien coûte le mètre carré dans un terrain, le mètre carré d'un terrain viabilisé à Douala? Combien? Extrêmement cher. Lorsque un terrain est viable. À Bonaprise, selon qu'on soit à Bonaprise ou. Allons dans les périphéries aujourd'hui, vous ne les touchez pas. Hein, vous cherchez dans les 15, 20 000. Je vous assure. Obamo. À Douala. À Yaoundé, c'est le plancher. À Yaoundé, c'est un peu moins. Reconnaissons que c'est quand même excessif. Première chose. Deuxième chose. Il y a une mauvaise gestion de l'exode rural. C'est-à-dire, les villes accueillent de fortes communautés. Vous avez malheureusement cité des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont généralement les mêmes qui s'installent dans les trains.
Peut-être. Mais nous sommes dans des villes. Et les villes ont vocation. Monsieur le maire, les villes ont vocation à accueillir des gens venant de toutes parts. Il faut prendre justement les dispositions pour que les gens y arrivent et qu'ils apprennent à vivre en ville. Parce qu'il y a une manière de vivre en ville. Je ne pense pas que c'est fait. Et maintenant, est-ce qu'on maîtrise même les populations qui sont installées dans les villes pour savoir ce qu'il faut faire pour les accueillir, pour leur offrir des infrastructures? Non. Les populations se débrouillent. Quand quelqu'un est dans l'incapacité de s'acheter 100 mètres carrés à 20 000 francs le mètre carré, c'est un problème. Parce que les zones marécageuses, paradoxalement, ce sont des zones où le terrain coûte extrêmement moins cher. Quelqu'un va te dire qu'il a acheté 200, 300 mètres carrés à 500 000 francs CFA. Je dis 200, 300 mètres carrés à 500 000 francs CFA. Il l'achète chez qui? Non, je dis peu importe. Ce monsieur, non, cette personne. Attendez, laissez-moi terminer. Cette personne n'a pas les moyens de s'acheter un terrain ailleurs. Mais c'est que personne, c'est un personne ne s'installe dans l'eau de gaieté de cœur. C'est extrêmement difficile de vivre dans le marécage. Maintenant, vous parlez. Vous semblez les comprendre. Je ne semble pas les comprendre. Je mets l'État devant ses responsabilités. Mais c'est la même chose que vous faisiez à Saint-Éloi. Il y a des personnes qui ont le mandat de gérer les affaires de la cité et de bien les gérer. Voilà. Maintenant, deuxième chose. Vous savez, lorsqu'il y a eu la guerre au Cameroun, on a trouvé l'argent pour faire la guerre. Que ce soit contre Boko Haram, que ce soit dans les provinces du Nord et du Sud-Ouest. Alors, l'argument selon lequel il faut des moyens, il faut aussi... Lorsqu'on veut, on peut. Il y a des terrains autour de Yaoundé. Il y a des terrains autour de Douala. Sortez de l'argent, messieurs. Je parle à l'État, je ne parle pas de vous en particulier. Lorsqu'on a fallu faire la guerre, on a sorti des milliards. Lorsqu'il a fallu faire la guerre dans le Nord-Ouest, on a fait des milliards. Donc, sortez de l'argent, viabilisez des terrains autour de Yaoundé, autour de Douala et... installer les populations. Il ne faut pas seulement des guépis juste pour le pays des guépis. Parce que la politique, c'est quoi, mes chers amis? À mon avis, je pense que la politique est d'abord au service des vies humaines. Ne faisons pas de la fiction. La politique que vous faites, elle est au service. J'allais vous inviter à ne pas faire de la politique fictive. Justement. De la philosophie politique. Non, voilà. C'est pas la philosophie politique. Je crois que mais l'État a ses priorités. À ce moment, les priorités. L'État est-ce qu'on a ses priorités? Vous signalez la guerre. C'est une situation à nous de déterminer. Est-ce que il y a 20 ans, il n'y avait pas la guerre. Est-ce que Saint-Éloi Bidon? Non, monsieur Mufili, vous savez bien que le dernier structuré n'est pas la priorité de l'État. En ce moment. C'est une des priorités. C'est une des priorités de l'État. Et on acte ça comment? C'est acté comment? Justement, je vais vous dire, il y a quatre responsabilités dans cette affaire. Il y a d'abord la responsabilité des riverains, il y a la responsabilité des autorités traditionnelles, et il y a la responsabilité de la commune. Parce que les communes se sont montrées assez laxistes au fil du temps sur des questions d'occupation des marécages. Et il y a la responsabilité de l'État qui, dans le cadre du processus de décentralisation, n'a pas fait de la commune, justement, le premier levier d'aménagement du territoire. Donc, c'est pas ce que M. Mouchili vient de nous dire. Hein. M. Mouchili a précisé que c'était pour la police municipale. La police en matière d'habitat. Non, même en matière de développement. Mais c'est ce que je dis. La police, c'est ça. Mais il semble que les maires aient plus de pouvoir. Tout à fait. Nous nous réclamons effectivement. Pourquoi? Parce que l'État, au lieu de choisir la commune comme levier d'aménagement du territoire, a choisi l'enfant bâtard de la décentralisation, qui est la communauté urbaine. Et vous voyez, donc, c'est ça qu'il s'agit. Et je partage cet avis. Le Cameroun ne reconnaît pas la communauté urbaine comme une collectivité territoriale décentralisée. Voilà. Il y en a deux, la région et la communauté. Ça a été créé pour les métropoles. Ça a été créé pour les besoins d'une cause. Les communautés. Mais là n'est pas la question. La question que j'adresse... Aider à une communauté urbaine, c'est une métropole de poids. La question qui est adressée ici est celle de savoir si ce n'est pas... Si ça ne fait pas partie des priorités de l'État en ce moment, les questions d'habitat. Les questions d'habitat font partie des priorités de l'État. Et maintenant, moi je dis que si la commune pouvait récupérer, dans le cadre du transfert de compétences de cette option-là, ce serait une très bonne chose. Rodrigue a posé une deuxième question qu'on n'avait pas répondu. Comment vous actez que c'est une priorité de l'État? Parce que nous allons... Donc, aménager, viabiliser ces zones humides
mieux que les autres pour pouvoir construire de l'habitat social en partenariat avec des opérateurs. Et maintenant, et je crois que cette opération venant de la commune, nous construisons déjà des marchés. Nous pouvons construire des bâtiments. Nous pouvons construire des bâtiments. Vous êtes dans quel type de solution ? Je voudrais arriver à vous avec cette question. Le maire constate qu'il y a des insuffisances du point de vue institutionnel au niveau des communes. Est-ce qu'au ministère de l'Habitat, est-ce qu'au niveau du gouvernement, on estime que si on développait l'habitat de masse, c'est-à-dire les HLM par exemple, on sortirait les gens des égouts, on sortirait des gens qui ont, on enlèverait les gens qui sont installés sur les drains. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisagé? Tout à fait, mais je voudrais apporter une précision qui est claire. L'option de décentralisation et de transfert de compétences date déjà au niveau de l'espace urbain. C'est le maire qui est
Quel était le revenu de Camerounais à ce moment-là? Si vous essayez de transférer tout cela au niveau des communes urbaines, nous pourrons le faire peut-être plus vite. Monsieur le maire, rien ne vous empêche un projet de logement social. Le crédit foncier, justement, accompagne déjà beaucoup de municipalités. Ça, c'est bien noté, Amadou Gouna, mais il y a cette solution urgente que je demande depuis le début de ce programme, de cette discussion. Qu'est-ce qu'on fait en août, Henri Séverin Sélé? Il faudrait mobiliser de manière très forte la direction en charge de la protection civile, parce qu'il s'agit de la protection civile des citoyens camerounais. Les Camerounais sont menacés par ce qui arrive. En septembre, en octobre, les pluies seront plus torrentielles encore et produiront encore plus de dégâts que cela n'a été le cas en ce moment. Il est important qu'au niveau de la protection civile, un mécanisme plus fort soit activé. On voit la protection civile très souvent après les catastrophes, mais on peut aller à la prévention. Les rapports sont disponibles. La protection civile a les rapports rendant compte de la cartographie des risques. Donc on sait chaque année ce qui est en mesure de se produire au niveau de ces différentes zones. Maintenant, il est question d'activer le mécanisme préventif de telle sorte que cet investissement permette aux uns aux autres d'avoir au moins l'assurance de la sécurité auquel ils pourraient aspirer et ensuite de pouvoir prendre des dispositions. Deuxième chose, je voudrais être insistant sur la nuance qu'il faut apporter à la gestion de la question foncière. Tant que pour une commune, si une commune a besoin de terrain, elle va s'adresser à l'État. La commune n'a pas de terrain. Et lorsque vous n'avez pas de terrain et que vous n'êtes pas en mesure d'en jouir, vous avez tendance à laisser les choses se dérouler parce que vous n'en avez pas la responsabilité. Vous vous dites, bon, si l'État central continue d'émettre des titres fonciers, si moi, pour avoir du terrain, pour faire un plan d'urbanisation, je ne suis pas en mesure de dire la maîtrise du terrain que j'ai au sein de ma collectivité territoriale décentralisée va de tout dire. En long cac, un, vous ne pouvez pas faire du développement. Deux, vous ne pouvez pas faire une projection rationnelle de ce que vous avez envie de faire de votre ville. Et trois, la propension à ce que vous puissiez laisser faire est susceptible de s'installer et conduire à un ensemble de choses que nous voyons au quotidien, à savoir que les communes ne se sentent pas suffisamment concernées par les drames qui arrivent et s'adressent soit aux communautés urbaines qu'elles contestent, soit à l'État en disant « c'est l'État qui permet l'occupation des terrains ». C'est l'État qui assure la gestion du foncier. C'est l'État qui est responsable quel est le statut des terres? Les terres appartiennent à la nation. À l'État? Pas à l'État, à la nation. Gérées par l'État pour le bien de la nation. C'est-à-dire que vous, quand vous avez besoin du terrain, vous vous adressez à l'État. Plus forte raison, une collectivité. Monsieur le maire a dit nous construisons les marchés. Ils font comment pour avoir les terrains pour construire les marchés? Ils s'adressent toujours à l'État. Beaucoup de communes dans notre pays se constituent des réserves foncières. Moi, je crois qu'il faut que les collectivités anticipent. C'est-à-dire que ce n'est pas quand il y a une situation comme celle-ci qu'on commence à chercher où est-ce qu'on va casser tel. Chaque commune doit avoir ses réserves foncières pour les projets d'intérêt commun. Donc, on ne peut pas justifier le fait qu'il n'y ait pas des initiatives au niveau communal par le fait que l'État se serait accaparé des terres. C'est faux. C'est les particuliers, vous et moi, qui avons les terres. Même l'État est un domaine privé qui est pioché dans le domaine national. C'est le même process. C'est la même commission qui descend sur le terrain, délimiter une parcelle pour immatriculer au nom de l'État. Voilà qui est clair. Assort mon Nekdem. Qu'est-ce qu'on fait? Je repose la question. Qu'est-ce qu'on fait en août, en septembre? Est-ce qu'on déplace des gens? Est-ce qu'on les envoie vers des sites plus sécurisés? Est-ce qu'on crée des hangars pour anticiper la pluie? Là, vous êtes en train de décrire le processus d'intervention lors d'une catastrophe. Mmh. Et moi, j'ai aimé la formule d'Henri Séverin à SMB. En fait, nous sommes en pleine catastrophe. Et la catastrophe va crescendo avec les pluies qui arrivent. Et d'ailleurs, chaque année, le Cameroun connaît une catastrophe.
entre juin et octobre, il y a des catastrophes. Ce n'est pas de la superstition. Non, ce n'est pas. Je dis chaque année, il est possible de prévoir une catastrophe au Cameroun pendant ces périodes-là. Parce qu'il y a des. Peut-être que cette année, elle arrive un peu plus tôt, ou alors l'ampleur, mais il y a une catastrophe chaque année. Et les inondations ont fait un mois en février à Maroua. Voilà. Un mois en février, on n'était pas dans cette période. Il faut simplement mettre sur pied une procédure en temps de catastrophe. Il y a une catastrophe qui arrive. Les tentes, en tout cas la protection civile doit tout simplement se démobiliser. L'avez-vous jamais vu se mobiliser? Ces 20 dernières années, l'avons-nous vu se mobiliser? Mais c'est triste de le dire. Mais avec la météorologie, on est capable de savoir qu'il y aura peut-être des pluies de 3 semaines en un jour, comme M. Moufili l'indiquait tout à l'heure. On a ces indicateurs, on peut... Au moment où nous en sommes, la météo ne peut plus permettre, parce qu'il faut quand même un peu plus de temps. C'est-à-dire, si vous savez que la météo sera forte dans une semaine, vous pensez que vous allez faire comment pour qu'il n'y ait pas... Puisque ce sont des milliers, peut-être même des millions de personnes. Parce qu'on parle peut-être de Douala, de Limbé, mais c'est partout dans le Cameroun, vous voyez. Donc, il faut simplement déclencher les procédures d'urgence en temps de catastrophe, mais il faut ensuite mettre sur pied les solutions à long terme. La décentralisation est un outil qui peut permettre enfin aux communes non seulement d'être responsables vis-à-vis des populations, parce qu'elles seront directement chargées. Parce que nous parlons de quoi? Du bien-être des populations. Ces communes-là seront directement responsables du bien-être des populations et les communes ne pourront plus se sentir... frustrées. Non, en fait, elles se sentiront plus responsables parce qu'on leur a véritablement cédé tout cela. Vous voyez? Il faut... Céder quoi? Donner les compétences et les moyens pour assurer ces compétences. Ça, c'est des solutions politiques. Mais attendez. Paul Mahel, pour sortir. C'est ça dont il est question. Mais justement, oui, allez-y. Les solutions à court terme, c'est-à-dire août, septembre, et on est revenu sur les solutions à long terme il y a un instant. Qu'est-ce qu'on fait en août, septembre? Vous avez de la famille à Douala? On va croiser les doigts et on va prier. Je pense que c'est l'urgence parce que je suis d'accord avec Assongmo et avec Henri Séverin qui dit qu'il faut activer le plan pour la protection civile. Mais ces 30 dernières années, je ne l'ai jamais vu activer. Je n'ai jamais vu, en cas d'inondation, des pompiers aller voir des sinistrés pour leur dire venez faire ceci. Je n'ai jamais vu un endroit de recasement des personnes qui sont dans l'inondation. En période d'inondation, comme tous les sinistres qu'il y a dans ce pays, les populations sont livrées à elles-mêmes, se débrouillent comme elles peuvent, avec les moyens qu'elles peuvent. C'était un peu pour ironiser, mais beaucoup plus sérieusement, j'entends Saint-Éloi et Assongmo se battre pour la décentralisation et à corps et à cri, mais il y a un élément fondamental qu'on ne prend pas en compte quand on parle de décentralisation, c'est la structuration de la commune. Parce qu'aujourd'hui, une commune ressemble à quoi? Une commune ressemble à un monsieur qui est le maire, qui est à la tête de la mairie, et encore, on est en zone urbaine, mais en zone rurale, c'est beaucoup plus... poignante. C'est-à-dire que la commune, comme c'est le scrutin de liste qu'on a instauré, un monsieur a une liste, il y a 25 de ses petits copains qui sont derrière, qui lui font allégeance, et il devient le maire. Et ce monsieur-là, généralement, pour une commune dans une localité rurale, lui, il vit à Yaoundé, et il va à la commune de temps en temps, et quand il n'est pas là, rien ne se fait. Ce qu'il faut aujourd'hui, au-delà du transfert des ressources que les communes réclament, c'est revoir aussi la structure de la mairie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mairies doivent devenir comme des entreprises, avec un personnel qualifié sur les différents défis auxquels la mairie doit faire face. Et ça, c'est quelque chose de très important et sur lequel personne ne revient aujourd'hui. Parce que si on était à élire des gens sur la base des compétences, c'est-à-dire que la mairie arrête de devenir une affaire partisane et politique, et c'est l'une des propositions que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, l'élection à la mairie soit une élection intuitive, personnelle, uninominale, où moi, Paul Mahel, je viens et que les gens décident de voter pour moi parce qu'ils savent que j'ai des compétences dans tel domaine. Monsieur Bidoun a telle de compétences et on sait que quand la commune fera face à ces compétences-là, à ces problèmes-là, on a quelqu'un au sein de la commune qui a cette compétence précise. C'est quelque chose de fondamental. Maintenant, sur le long terme, Monsieur Mouchili, je crois que vous arrêtez-moi si je dis une connerie. Le dernier vrai plan d'urbanisation qu'il y a eu pour les villes de Douala et de Yaoundé date de 1983. Il va vous répondre. Mais je voudrais d'abord prendre Éloi Bidoun. Qu'est-ce qu'on va faire en août et en septembre pour éviter les inondations à Onana Meuble, à la biscuiterie, à Etougébé, au centre des handicapés, l'autre versant des centres des handicapés? Qu'est-ce qu'on va faire?
C'est vrai que Yaoundé 6 est une zone à très haut risque, en proie aux inondations. Mais le maire a procédé par anticipation. Nous avons essayé de drainer avec l'aide du service d'hygiène et des stagiaires que nous avons recrutés pour un mois, d'essayer d'organiser le drainage des rivières à risque. Si vous allez du côté de Polytechnique, la rivière Mingwa est en train d'être drainée en ce moment pour permettre à l'eau de circuler et ne plus avoir des inondations. Nous avons fait la même chose. Nous avons, du côté de Akwandoué, construit un pont. Voilà une zone qui était coupée de la civilisation. Pourtant, il y a plus de 300 000 personnes qui habitent là-bas. Nous avons construit un pont pour essayer d'alléger les douleurs de la population. Mais ce qui est urgent et impératif, il faudrait que la commune porte sa camisole des prérogatives de puissance publique et déguerpisse les gens sans contrepartie. Sans qu'on l'accuse. Vous allez devoir passer sur la communauté urbaine avant. Sur la communauté. C'est bien noté. Alors, M. Mouchili, le dernier plan d'urbanisation, c'était 83. Vous confirmez le chiffre? Non. J'ai dit le dernier vrai plan d'urbanisation. Je suis quand même surpris que ce soit Paul Maher qui le dise. Je crois que, comme je le connais, il aime bien l'ironie. Ça devait être de manière ironique. Non. Yaoundé doit les... Les principales métropoles de notre pays sont aujourd'hui planifiées à l'horizon 2020. Certaines sont en train de revoir le plan directeur d'urbanisme. Et dans ces documents, c'est également des vrais plans qui ont prévu toutes les dispositions à prendre pour que les zones non édificantes soient identifiées et qu'on ne puisse pas les occuper. Malheureusement, je dis encore, nous allons, comme nous cherchons des terrains, comme vous disiez tantôt, occuper ces zones en connaissance de cause. Maintenant, vous avez fait le tour de la table en demandant qu'est-ce qu'on fait en juillet. Vous voyez que c'est difficile. J'ai posé la question moins 5 fois. C'est difficile de formuler. C'est bien facile de dire, bon, on aurait dû faire. Aujourd'hui, on a affaire aux êtres humains. Oui. Le maire a les prérogatives de dégager les gens. Ça, c'est vrai. Mais il faut les recaser. Donc, nous ne pouvons penser qu'à des solutions d'abord durables. Parce que les inondations, on va vivre avec. Ce n'est pas la dernière inondation, il y en aura. Ce qu'il faut faire, c'est d'éviter qu'on connaisse des conséquences fâcheuses. Et si on a un dispositif de gestion de crise, comme vous disiez tantôt, je sais qu'au niveau du gouvernement, du MINAB notamment, il y a le dispositif ORSEC qui est activé chaque fois qu'il y a une catastrophe. C'est ce qui peut être fait. Peut-être que ce n'est pas visible, peut-être que ce n'est pas automatique, mais ça devrait l'être. C'est-à-dire qu'il y a des solutions transitoires qui permettent de recaser, peut-être dans les édifices publics, les gens qui sont victimes des inondations. Mais la solution finale, c'est qu'ils libèrent les drains, qu'ils libèrent les bas-fonds. Fatalement. Et fatalement. Oui, oui, on passe par là. Et d'ailleurs, vous voyez que un effort est fait, par exemple, dans nos grandes métropoles, Yaoundé, Douala, avec des grands travaux de drainage. Yaoundé, monsieur le maire, vous savez que le PADI 1, aujourd'hui le PADI 2. Juste par la tête, monsieur Mouchili, que si, effectivement, vous parliez des plans directeurs d'urbanisme tout à l'heure, si ces plans directeurs étaient effectifs comme celui de 83, on ne serait pas en train de poser la question de savoir les mairies vont dégager les gens et vont les recaser où. Parce que le plan d'urbanisme prendrait justement en compte les zones de recasement avec les extensions de la ville. Mais c'est prévu, monsieur Maël, parlons de quelque chose qui dure depuis 30 ans. Vous nous dites que c'est prévu et on n'a jamais réussi à l'implémenter. On aura l'occasion d'évaluer le sujet, monsieur. Il y a un deuxième sujet prévu pour ce débat, le temps prévu pour cette phase. C'est qu'il faut qu'on se dise une chose, une réalité. Les inondations sont à traiter de manière durable, à long terme. Il s'agit des investissements lourds, il s'agit de construire des canaux, comme ce qui est fait à Yaoundé, voilà. Il s'agit de mobiliser des ressources pour cela. Donc, il y a un plan, mais il n'y a pas de moyens. Il y a quelque chose de prévu, il faut mobiliser les ressources. Il s'agit également de notre responsabilité collective. Dans nos associations, on serait intéressé
qu'après la tontine du dimanche, que nous discutions avec nos frères et sœurs et que nous les sensibilisions sur le fait qu'ils ne doivent pas occuper les bas-fonds. On aimerait bien dans les partis politiques qu'après les meetings, en plus des motions de remerciement et autres, qu'on puisse mettre sur la table cette question. Ça, c'est la sensibilisation. Parce que ce que je dirais à Saint-Éloi, en tant que camarade ou bien en tant que voisin, ça passe plus que ce que l'État va... C'est entendu. Nous allons continuer naturellement à monitorer cette actualité à Douala, Yaoundé, surtout, comme on l'a dit, la grande saison des pluies sous la latitude tropicale arrive en août, en septembre, et nous souhaitons naturellement que ce soit éviter que d'autres drames soient évités dans cette ville, les villes de Douala et de Limbé, mais Yaoundé qui n'est pas épargné, nous l'avons constaté. Mais il n'y a pas que eu ces drames dans la semaine. D'autres faits d'actualité ont encombré les colonnes de journaux chez nous. Et Brand Kamga se fait le devoir de revisiter ce qui a été dit dans la presse print cette semaine. C'est la revue de presse de Canal Presse. Bonjour. Ils se disent de l'opposition, mais apportent leur soutien au parti au pouvoir. 20 partis politiques ont déclaré leur amour à Paul Biya, ce qui a fait les choux gras de la presse cette semaine. Le Pélican a publié l'intégralité de la déclaration du collectif des 20. Ce soutien prédit d'ores et déjà une victoire du candidat Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Il est quasiment impossible de battre l'actuel président de la République. Signature présente les atouts de l'homme du 6 novembre devant une opposition égoïste. Le Baobab en conclut que Paul Biya est le meilleur choix. Il est le seul garant de la paix et du progrès, un président libérateur. Il ne sert donc à rien de courir et les 20 ont vite fait de choisir l'homme lion. Leur appel est davantage une union sacrée, d'après l'Action, le journal du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce boulevard qui s'ouvre à Paul Biya s'élargit aussi avec, en dehors des 20, le soutien des alliés connus. Génération Libre rapporte que le contexte sécuritaire actuel motive ce ralliement. C'est une campagne au long couteau, titre intégration, il y a en plus de la corruption, une bataille féroce avec un jeu de massacre et sans pitié dans le landerno politique. Il y a surtout la menace Kamto qui est à abattre, il donne des sueurs froides et au régime et à l'opposition. Le quotidien Émergence suit de près le périple de Maurice Kamto du MRC qui a mobilisé des masses populaires dans le Grand Nord Cameroun. Son passage à l'extrême nord s'est effectué dans un contexte marqué par le razzia de ses militants par le RDPC, une victoire de Kavayégué Dibril qui a poussé le MRC à lui porter plainte. L'orphelin estime que cette plainte est motivée par le refus du président de l'Assemblée nationale de recevoir Maurice Kamto. Il y a surtout les emblèmes du MRC qui ont été brûlés par les transfuges. C'est pourquoi Kamto sabote le PAN, conclut sa presse. Kavayégué Dibril est tout simplement victime de son dynamisme. Il n'a jamais brûlé les t-shirts et les effigies du MRC. Tout n'est cependant pas acquis pour le régime en place et ses barons. Certains sont en ballotage défavorable dans le fief et incapables d'assurer une victoire certaine à Paul Biya. Le sociologue Claude Abbé, interrogé dans Mutation, présente Kavayégué Dibril, impopulaire dans le Grand Nord, Peter Mafani Moussongue et Philemon Yang ayant perdu la légitimité en zone anglophone, Marcel Niat Difendi et Jean Cuité menacés dans l'Ouest par le MRC de Maurice Kamto. La nouvelle essaye de comprendre pourquoi le fauteuil présidentiel suscite autant de convoitises, ne s'y aventure pas qui veut. Il est historique, mythique et même mystique. La preuve, c'est que seuls Aïdjo et Biya ont réussi à s'y installer en 58 ans. Elections Cameroun renforce davantage ce mythe en consacrant l'illégalité. Il y aura bel et bien vote dans les casernes militaires en violation du code électoral, s'indigne le quotidien Émergence. L'élection, c'est aussi la campagne et Diapason pose le sujet des marchés sur la table. Plus de 100 milliards de francs CFA seront utilisés pour les flyers, affiches, tricots, matériel électoral et autres. Le mal, c'est que l'essentiel du marché est gagné par les prestataires étrangers au détriment des nationaux. Plusieurs hauts responsables locaux sont dans la tourmente, titre le soir. Ils sont 7 directeurs généraux de sociétés publiques et parapubliques qui ont perdu le sommeil. Ils sont éjectables de leur fauteuil à tout moment.
Le nettoyage a d'ailleurs débuté avec les premiers décrets. Ils s'affaisseront peut-être comme la chaussée à Douala, du fait de longévité sans entretien et sans renouvellement. Le premier ministre Philémon Yang a néanmoins prescrit des actions urgentes pour rétablir la circulation. Cameroun Tribune a publié l'intégralité du communiqué final du Conseil de cabinet du mois de juillet 2018. Bon dimanche et à dimanche. Autre fait majeur signalé dans la foulée de Brand Kamga, la saison des consultations dans les appareils politiques. Coalition entend-il que valent les alliances entre politiques en cette période électorale? C'est le deuxième focus de Canal Presse de ce dimanche. Il y a d'abord le G20 pour revenir à ce qui est plus récent, le G20 de l'opposition. Paul Biya en avait-il besoin, Saint-Éloi Bidoung? Est-ce que Paul Biya avait besoin d'un G20 pour gagner, pour remporter la présidentielle prochaine? Je voudrais, si vous le permettez, Monsieur Rodrigue, dire quelque chose sur un fait majeur dans ma vie qui s'est produit il y a 3 semaines. C'est-à-dire qu'on a balancé une vidéo dans les réseaux sociaux et on me l'a attribuée. Cette vidéo faisait un bilan comparatif de la gestion du Cameroun entre Ahidjo et Biya. Je tiens à le dire, moi Saint-Éloi Bidoung, je ne me reconnais pas dans cette vidéo. Ça a été une mise en scène. Heureusement, les responsables de cette mise en scène ont déjà été identifiés par des services spécialisés et qui ont rendu le rapport à qui de droit. Je tiens donc à réaffirmer à mon parti, le RDPC, mon vous restez loyal à votre aux, parti. Aux idéaux du parti et un soutien sans faille pour la réélection du président Biya. Maintenant, quant à la question que vous me posez, savoir si le président Biya avait besoin du G20. Le professeur Maurice Duverger a dit un jour du général de Gaulle que sa personnalité était si forte que même si on avait accroché une étiquette sur un sac de patates, une étiquette de Gaulle, ce sac de patates eût été élu à l'Assemblée. Juste pour dire que la personnalité de Biya est si forte aujourd'hui. Le président Biya entretient des relations personnelles avec les Camerounais au point où j'ai dit qu'il n'a pas besoin du soutien de, excusez-moi, hein, mais des gens que je considère comme une bande de voyous assoiffés de postes qui se sont réunis pour mettre la pression sur le président et récolter des préventes. Non. Le RDPC a les moyens de gagner cette élection. Le président Biya a les moyens de gagner cette élection. Et d'ailleurs, que valent d'ailleurs les autres alliances? Quand vous prenez quelqu'un comme M. Bouba Bello aujourd'hui qui est au gouvernement, qu'est-ce qui justifie sa présence au gouvernement? Il avait... En 90, il me semble que le président de la République en 90, est le pouvoir discrétionnaire. Oui. Non, je voulais dire que on ne peut pas éternellement prendre le président en otage avec des hommes qui ne représentaient plus rien. L'UNDP avec 69 députés en 1990. Voilà. Aujourd'hui, ils ont un député, un sénateur nommé et quelques conseillers municipaux. Vous pensez que ça pèse de quel poids? Alors, Assong Monekdem, le président poursuit donc quoi? Puisqu'il y a une alliance qui est clairement établie avec l'UNDP, avec l'ANDP, peut-être de fait, avec le FSNC de Issa Tchiroma, peut-être de fait aussi, mais elle est là, il y a cette alliance, on voit bien que le président y tient. Qu'est-ce qui est recherché dans la démarche? Bon, il faut se le dire, la puissance du RDPC, ça il faut le reconnaître, est telle qu'aujourd'hui, pour gouverner, c'est-à-dire, soyons objectifs, le RDPC n'a pas besoin de ses alliés-là pour gouverner. Maintenant, il y a d'autres enjeux. Il y a des enjeux d'assumer une démocratie qu'on a décidé d'embrasser. Et le président lui-même parle aujourd'hui de démocratie apaisée. Enfin, il en parlait il y a 20 ans. Voilà. Et ça continue. Il y a
des enjeux de donner, d'envoyer une certaine image à l'extérieur. Vous voyez. Donc, essentiellement, ces alliances-là servent à montrer que nous avons le pouvoir, certes, mais nous le partageons avec un certain nombre de personnes. Évidemment, ce sont les personnes qui nous saillent. Ce ne sont pas des, ce n'est pas un partage de pouvoir dans l'adversité. Vous voyez, parce qu'il y a des conditions où vous êtes obligé de partager le pouvoir avec des acteurs que vous ne désirez pas. Le RDPC choisit ses alliés. Le RDPC, j'ai envie de dire, choisit ses opposants. Vous voyez. Donc, en fait, c'est ça. Henri Séverin Asembe, est-ce que ce sont des alliances cosmétiques, simplement, celles que le RDPC noue avec des partis d'opposition aujourd'hui dans la majorité, ou bien des ententes qui ne sont pas actées par des conventions ou des plateformes clairement établies comme avec l'UNDP, mais qui sont là? Est-ce que c'est simplement du cosmétique? On ne gouverne pas seul, et cela ne saurait être du cosmétique. On gouverne ensemble. Et dans le cadre d'une démocratie, il est important de prendre en charge tous les mouvements politiques qui sont susceptibles de se déployer au sein d'une arène. Une élection se gagne au Cameroun, une élection présidentielle se gagne au Cameroun lorsqu'on a la voix des autres candidats plus une voix, lorsqu'on dépasse le candidat suivant d'une voix. Et en cela, il faut constituer et structurer une arithmétique électorale qui vous permet de vous assurer de la victoire. Chaque fois que vous avez un potentiel électeur ou un potentiel leader qui s'allie à vous, c'est pour vous tout bénef parce que cela consolide votre trajectoire vers la victoire finale. Je crois que c'est le cas avec le G20 qui émet un calcul électoral simple. Il faut gouverner avec la candidature la plus aboutie en ce moment, qui est la candidature soutenue par le RDPC, la candidature du président en fonction Paul Biya, qui a la capacité de pouvoir redistribuer. Parce que lorsqu'on gagne une élection, on passe à la redistribution. Le G20 arrive et se positionne, un, pour partager avec le RDPC le pouvoir politique au niveau de l'État central, mais aussi au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Vous avez des partis qui ont des ambitions au niveau des communes. Vous avez des partis qui ont des ambitions au niveau des régions qui ont été annoncées. Vous savez que le président de la République a le pouvoir de nommer 30 sénateurs. C'était déjà le cas il y a quelques mois. Ça le sera encore dans 5 ans. Ceux qui l'auront soutenu ici aspirent, bien entendu, à quelque chose. Et personne ne peut refuser un tel soutien, surtout un soutien manifesté de manière bruyante et puissante par 20 partis politiques légalisés, dont les figures sont connues. Pour ce qui concerne les alliances avec le FSNC, l'UNDP, vous voyez clairement qu'elles se manifestent par le gouverner ensemble. Vous avez Issa Tchiroma Bakary, qui est le porte-parole du gouvernement, le très présent porte-parole du gouvernement. Vous avez le président de l'UNDP, bien que discret, qui renouvelle son attachement et son soutien au candidat Amadou Moustapha de l'ANDP, Amadou Moustapha de l'ANDP, qui est chargé de mission à la présidence. Ministre chargé de mission. Ministre chargé de mission. Ils se suffisent dans ces positions qui leur permettent de gouverner avec Paul Biya et de pouvoir réaliser leurs ambitions personnelles associées aux ambitions collectives qu'ils vendent aux différentes instances de leur parti. Donc concrètement, sur le marché politique, les uns et les autres trouvent leur compte et il est de bon ton que le candidat du RDPC soit satisfait de ce qui est en train de se passer. Alors, Paul en Maël, termes d'alliance. Paul Maël, est-ce que ceux qui s'allient au RDPC, parce que tout à l'heure on voulait savoir ce que le RDPC gagnait, notamment son champion Paul Biya, est-ce que ceux qui s'allient de l'autre côté, les leaders des partis politiques de l'opposition, recherche simplement des strampontins ministériels ou autres postes de la vie publique, comme le suggère Henri Séverin Asembe. Mais écoutez, moi je suis aujourd'hui dans un QG politique et l'une de nos lignes directrices, c'est que nous ne nous immisçons pas dans les affaires des autres formations politiques, nous ne parlons pas des autres formations politiques. Je voudrais simplement, j'ai entendu tout à l'heure Saint-Éloi avec une certaine condescendance par des autres partis politiques et de certains leaders politiques et à ce moment on lui a embrayé le pas en disant que le RDPC n'avait pas besoin des autres pour gagner. Je voudrais
il est important de restituer les choses dans leur contexte. L'alliance avec l'UNDP, qui est remise en question aujourd'hui, elle vient d'où? Elle vient de l'élection de 1992, où les partis politiques de l'opposition ont quand même, s'ils se mettent ensemble, la majorité à l'Assemblée nationale. Je signale qu'au sorti de cette élection-là, le UNDP, avec 88 sièges, l'UNDP... En 92. 68. Avec 77. L'alliance avec l'UNDP, c'est UNDP, c'est oui, 97. Oui, mais je veux dire, il faut partir ça de là où ça part. Ça passe en 92. Ça dit que les discussions commencent au sorti de l'initiative 92, où l'UNDP sort quand même avec 68 sièges. Donc, oui. 20 sièges de moins que le RDPC. L'UPC en a 18. Le MDR de Dakolé Daïssala en a 6. Et le MDR, d'ailleurs, est le premier à s'allier au RDPC. C'est lui qui fait échouer la coalition à ce moment-là. Donc, il faut tenir compte de ce contexte-là pour dire que le RDPC n'a pas toujours été aussi puissant que ça. Et je veux dire que si aujourd'hui, les gens qui sont dans les instances dirigeantes de ce parti politique-là continuent à rechercher des alliances, c'est peut-être parce qu'ils savent que le matelas n'est pas aussi confortable que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. L'élection de cette année, et comme les législatives et municipales qui viendront l'année prochaine, se déroulent dans un contexte particulier où il y a de nouveaux acteurs qui arrivent sur la scène politique, de nouveaux visages qui arrivent avec de nouveaux paradigmes, avec de nouveaux moyens, où aujourd'hui le peuple n'est plus comme il l'était il y a en 1992. Vous avez les réseaux sociaux qui jouent aujourd'hui un rôle important dans le déroulement du processus électoral. Il faut tenir ça en compte. Il y a une évolution certaine, il faut tenir ça en compte. Donc le RDPC aujourd'hui a lui aussi besoin, si tant est-il que il ne vous convient pas que l'UNDP continue à faire partie de l'alliance parce que vous estimez que son poids politique a dégringolé entre-temps, il y a quand même de nouveaux acteurs politiques qui sont arrivés sur le lieu et qui peuvent faire valoir quelque chose. Donc, c'est des conséquences logiques qu'il faut tenir. Maintenant, la vraie question qui se pose, et là je rejoins Saint-Éloi, c'est au niveau du poids politique dans ces alliances. Le G20, quand je le regarde, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une grosse existence politique. On peut citer quelques noms, il y a Banda Kani, il y a Jean de Dieu Momo, il y a Isaac Feuzeux de Merci, il y a Joachim Tabio Wono. La question qui se pose des au hommes niveau... qui ont pour fait d'armes d'avoir tout simplement posé la candidature à la présidence de la République. Robert Bapolipot est député à l'Assemblée nationale. La question qui se pose, Rodrigue, c'est aujourd'hui de savoir comment s'est menée la négociation pour cette alliance. Parce que dans la petite connaissance que j'ai de la scène politique, c'est que l'alliance, c'est une négociation entre deux partis. C'est-à-dire que qui décide, pour un certain nombre de raisons et sur des critères qui se sont préalablement établis, décide de se mettre ensemble pour faire converger soit leurs orientations, soit leurs vues, soit leurs moyens, je ne sais pas. Aujourd'hui, comment s'est négociée l'alliance? J'ai écouté quelques leaders de ce G20, notamment Banda Kani et Maître Jean de Dieu Momo, qui ont clairement dit « Biya ne nous a rien demandé, nous on a pensé que pour des raisons de sécurité et compte tenu du contexte actuel, on a décidé d'aller avec lui, d'aller le soutenir ». Peut-on parler dans ce cas de véritable alliance? Auquel cas on rentre donc dans le schéma que décrit Saint-Éloi, où c'est des gens qui sont en quête de prébande et qui décident d'aller vers celui qu'ils considèrent peut-être à tort comme étant le plus fort. Je voudrais adresser cette question à Sormon Ekdem. Qui a organisé? On reprendrait l'humoriste Jean-Michel Cancan de regretter mémoire, mais resté un géant dans la satire sociale. Qui a organisé cette réunion du 22 juillet entre les militants ou les leaders de l'opposition? Est-ce que vous avez eu un rayon d'information à ce sujet? Il y a des choses qui se disent. Moi, je sais, mais je ne vous dirai pas. Il y a des choses qui se disent, mais qui ne sont pas assumées. Je ne sais pas, mais je refuse. Et donc, il y a des choses qui se disent qui ne s'assument pas. Parce qu'aucun de ces leaders n'a expressément dit que c'est tel. Et au sein du RDPC, personne n'a assumé. Mais il est clair qu'il y a eu des contacts entre ces leaders et une ou des personnalités qui sont à la fois dans le gouvernement et dans les militants du RDPC. Qui sont militants du RDPC. Donc il y aurait eu une caution du RDPC. Ces personnes-là, peut-être pas une caution du RDPC en tant que parti politique, mais il y a des individus qui ont initié cela. Et à la suite de Paul Mahel, j'aimerais dire ceci, justement. Le fait que les Banda Kani et les autres reconnaissent que le président ne leur a rien demandé montre bien que nous sommes dans un contexte où le RDPC, fragilisé il y a 20 ans,
ou 25 ans, si on peut, a consolidé un pouvoir tellement puissant aujourd'hui que ce sont les gens qui viennent vers lui commander. Parce qu'il faut dire les choses en main, telles qu'elles sont. Ce sont des gens qui viennent commander aussi. Demander alliance. Je ne parle même pas de... Comment tu as dit demander à avoir accès au gâteau? Commander, c'est bien demander pitance. Voilà. C'est dans votre sens. Je pèse mes mots. Qui viennent commander auprès du RDPC. On est dans... ça, c'est le premier niveau. C'est pour ça qu'avec le G20, moi, je préfère ne pas parler d'alliance. Vraiment, c'est des positionnements. Ce sont des positionnements individuels. Voilà. Cela fait partie du clientélisme politique parce qu'il y a des individus, même dans le RDPC, qui recrutent ces personnes-là. Et ces personnes-là, ces personnes du RDPC vont ensuite se prévaloir de cela comme de la ressource. C'est-à-dire, ceux dans le RDPC qui ont initié le rattachement du G20 également utilisent cela pour se positionner comme individu. Je dis bien dans le RDPC. Et les membres du G20, eux aussi, se positionnent comme des individus. Il y a une différence maintenant avec des alliances plus formelles, avec des partis comme l'UNDP, le FSNC... L'UPC de Codan. L'UPC de Codan. Encore qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est vraiment héritier de cette alliance. On ne sait plus exactement. Il le revendique, mais... D'autres peuvent le revendiquer au même titre. C'est moi, je vous ai quand même dit sur les questions... Permettez-moi de finir. Juste en 30 secondes, sur les questions du jeu politique, que tout actif est actif. Et dans la course au pouvoir, c'est l'actif le plus puissant qui se positionne de meilleure manière. Tous les accords ne sont pas toujours formalisés. Vous savez que pour réaliser le débarquement en Sicile pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des accords qui n'étaient pas des accords formalisés, mais qui ont permis aux Alliés d'entrer par la Sicile pour aller combattre l'Allemagne. Donc tous les accords ne sont pas nécessairement formalisés. Bon, et tout accord il ne s'agit pas forcément de parler lorsqu'il produit des effets d'accord. Peut-être, mais je préfère ne pas parler d'entrer dans les logiques d'accord ou d'alliance. Je dis simplement, ce sont des stratégies de positionnement individuel. Des personnes du G20, c'est des personnes qui se positionnent pour avoir accès à la rente. Alors, il y a cette une de l'Action, le journal, l'organe de propagande, non, l'organe d'information du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Propagande semblait être le bon mot. Non, l'organe d'information, je souligne très bien information, du comité central du RDPC qui a mis sous sa manchette de une mercredi, cette photo, la photo de ces leaders du G20, est-ce que ce n'est pas un signe, Saint-Éloi Bidon, que ça profite au RDPC, que le RDPC a entériné cet acte du G20? Parce que c'est quand même à la une du journal L'Action. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais je dis que... Vous savez qui est le directeur de publication de L'Action? Et le directeur de publication de L'Action, vous savez qui c'est? C'est le secrétaire général du comité central. Non, le directeur des organes de presse qui édite le journal peut mettre ce qu'il veut à la une. Mais moi, je dis que, une fois de plus, ce sont des hommes qui viennent prendre nos places. Il faut le dire. Nous avons milité pour le président Biya, derrière le président Biya, pendant 20 ans. Pendant qu'eux, ils se clamaient opposants à l'extérieur, pendant 20 ans. Même si dans votre cas, il y a eu quelques bémols avec la concurrence que vous avez voulu faire au président national du RDPC au moment de l'élection bureau de votre parti en 2011. Je ne pense pas qu'il m'en tienne des rigueurs. Non. Parce que je lui ai tout de même permis de démontrer que le RDPC est un parti démocratique. Voilà. Donc, ces personnes-là viennent chercher nos places. Et c'est peut-être l'occasion de dire au président Biya que on ne peut pas courir derrière vous pendant 20 ans. On attend. Mais écoutez, vous voyez. Paul Maël, je vous relance avec la question. D'accord. Est-ce que ça confirme que c'est une question de strapontin, simplement?
Mais c'est est-ce justement... que ce n'est pas cet aveu qu'Éloi Bidoum fait sur ce plateau? Il traduit justement la politique telle qu'elle a été menée dans ce pays ces 40 dernières années, pour ne pas dire ces 36 dernières années. C'est qu'on a transformé le pays en gâteau national où chacun veut sa part, en oubliant le peuple qui est au centre, qui devrait être au centre des préoccupations et des formations politiques et de l'État camerounais. Aujourd'hui, c'est devenu une partie de gâteau où on se bat parce que je veux avoir ma part. Écoutez, je suis derrière vous parce que... Je suis un petit peu déçu, je me serais attendu à ce que Saint-Éloi dise, je suis derrière le président Biya depuis 20 ans, parce que je crois en l'idéologie, parce que je crois en ceci, mais il vient de dire à Mondovision, je suis derrière le président parce que j'attends ma part. C'est la gouvernance que nous avons depuis 30 ans. Je voulais... S'il te plaît. Il avait la parole. C'est moi qui avais la parole, Saint-Éloi. Je l'avais arraché. Non, 30 secondes, oui. Je suis militant dans un parti politique et ce parti est au pouvoir. De toutes les façons, on ne peut pas se cacher. Si on me donne, parce que je soutiens les idéaux que le président de la République défend, je ne cracherai pas. Mais vous êtes déjà adjoint au maire de Yaoundé 6. Vous estimez que ce n'est pas suffisant? Je voudrais être président national du RDPC. Mmh. Donc, mais les alliances, ce n'est pas pour la présidence. Justement, c'est pour ça. Je voulais donc terminer en disant que ces personnes ont passé tout le temps à fossoyer le jeu démocratique au Cameroun. Parce que les Camerounais ont cru en leur opposition. Ils ne peuvent pas nous dire, après 20 ans d'injures au président Biya, qu'aujourd'hui, il est le plus beau, il est le plus grand, il est le plus fort. Vraiment, il est le seul qui peut... Ce ne serait pas sincère. Oui, juste pour dire... Il nous suggère que ce ne serait pas sincère. C'est l'être d'amour qu'ont adressé Jean de Dieu Moussa. Je reviens vers vous. Ces lettres d'amour, elles ne sont pas sincères. Et Saint-Éloi Bidoum, il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux pour dire qu'au Cameroun, beaucoup, pour l'essentiel, les gens font la politique pour avoir accès au gâteau national. C'est le RDPC qui a organisé les choses ainsi. Alors, il y a des gens qui ont des stratégies. Il y a des gens qui pensent que pour avoir accès au gâteau, je peux me... Prendre le raccourci? Non, je peux me bâtir une posture d'opposant qui me permettra d'avoir accès. Si on bâtit cette stratégie-là, et qu'après, après 20 ans, on n'a pas toujours accès, c'est normal qu'ils changent leur stratégie. L'objectif final, c'est quoi? Pour de ces personnes, c'est de manger. Et vous l'avez dit. Vous voulez aussi. Et ils sont en train de prendre... Le gâteau auquel vous avez droit de manière légitime. Auquel vous estimez avoir droit. Avoir droit de manière légitime. Alors, ils ont simplement changé de stratégie. Désormais, nous vous rejoignons. Puisque nous avons fait semblant de nous opposer pour que vous nous donniez, même si c'est la nuit, maintenant, nous nous déclarons. Vas-y, nous ne nous cachons plus. Nous tombons les masques. Nous tombons les masques et nous nous agenouillons. Parce que c'est de ça dont il est question. Moi, j'assume le mot « commander ». Les personnes qui constituent le G20, c'est des personnes qui ont simplement saisi l'opportunité. Il y a une élection, le marché politique, ça bouge. Alors, il faut se positionner pour capter la rente. Parce qu'il y a de la rente actuellement. Henri Séverin Sembe, à l'inverse, il y a des tentatives de coalition au sein de l'opposition. Il y a aussi des actes manqués de ce côté-là. On a vu que Maurice Kamto a déposé une candidature, Akere Mouna a déposé une candidature, Cabral Libi aussi, et quelques autres leaders, en tout cas je cite les têtes de pont du point de vue médiatique, parmi les opposants qui ont déjà fait acte de candidature. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, on ne peut pas parler aussi au sein de l'opposition de croix et de bannière en matière d'organisation de la coalition? Non, pas du tout. La question s'adresse à Henri Séverin Sembe. Paul Maher, on reviendra à vous. Je voudrais d'abord épiloguer quelque peu sur les vocables que vous avez utilisés pour caractériser ces candidatures. Vous avez parlé de candidatures médiatiques. C'est effectivement des candidatures médiatiques dans la mesure où, que ce soit avec Kamto, Akere Mouna, Cabral Libi ou Joshua aussi, il y a de la difficulté à percevoir la perspective des hommes d'État. Pour arriver à la perspective de diriger un État, il faudra avoir fait le sérail. Il faudra avoir regardé les différents parcours, il faudra avoir fait le sérail, il faudra avoir bénéficié des postures qui vous permettent
de pouvoir accéder par des complicités directes ou indirectes à la magistrature suprême. Or, lorsque vous cartographiez ces différentes candidatures, vous avez de la difficulté à remplir cette condition. Maintenant, pour ce qui concerne la perspective de la coalition, c'est des candidatures qui ne sont pas faites pour accéder à la magistrature suprême, et c'est la raison pour laquelle elles ont de la difficulté à s'organiser pour s'opposer de manière véritable à la candidature la plus aboutie, qui est celle de Paul Biya. Peut-être qu'en voyant Cabral Libi, Maurice Kamto, Akeremouna et Joshua dans aussi un paquet, on aurait de manière organisée deux blocs qui pourraient s'affronter, tout au moins de manière médiatique. Une candidature, c'est une infrastructure nationale. Or, si vous avez Joshua aussi, qui aura déjà de la difficulté à se positionner dans une arène majoritairement anglophone, vous savez, lorsqu'on dit SDF, ça renvoie à quelque chose, ça renvoie à des valeurs, et qui du point de vue géopolitique, dit c'est un ensemble de systèmes de représentation et de positionnement culturel. Lorsque vous voyez la candidature d'Akeremouna, vous avez le sentiment que c'est une candidature pour dire nous étions aux affaires, nous avons joué un rôle important dans ce pays, il est de bon ton qu'on tienne compte de notre présence. On ne voit pas très clairement comment ça s'organise alors que nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle. La candidature de Cabral Libi est une perspective d'avenir. Et celle de Kamto, je ne ferai pas de commentaire. En tout cas, Paul Mahel est là, il est le porte-parole de Akeremouna partout et donc ici également. Est-ce que l'idée d'une coalition est désespérée? Le jour même du dépôt de dossier d'Akeremouna, il laissait entendre que l'idée d'une union, tout au moins autour d'une candidature de l'opposition, n'était pas perdue malgré le dépôt de candidature. D'abord, je voudrais dire que Henri Séverin, dont je suis par ailleurs admiratif des analystes d'habitude, me surprend un petit peu en étant aussi péremptoire sur des questions aussi importantes. La première chose que je voudrais dire, parlant de la coalition, il ne me souvient pas qu'on ait un jour vu des élèves de 6e être appelés à élire le chef de classe en terminale. Quand on veut désigner le chef de classe en terminale, c'est les élèves de terminale qui s'asseyent et qui votent leur chef de classe. Ça veut dire que c'est entre nous, élèves de terminale, qui brandissons notre probatoire. Ça veut dire que s'il faut qu'il y ait une candidature unique de l'opposition qui soit désignée, elle se négocie et se discute entre les candidats et est candidat, quelqu'un qui a candidaté, donc qui a déposé un dossier en bonne et due forme. Mmh. C'est la première chose. Donc il n'y a aucun problème, à mon avis, que M. Kamto, que M. aussi, qu'Akeremouna ou Cabral Libi aient déposé leur dossier. Ce n'est nullement un frein, contrairement à ce que certains pensent, au fait qu'il y ait candidature unique. Et partout, moi j'ai été journaliste, j'ai eu le privilège de couvrir des élections dans plusieurs pays en Afrique, je n'ai jamais vu une candidature unique se dessiner 6 mois avant. Elle se dessine en dernier lieu. Parce que justement aujourd'hui, supposé qu'il y ait une candidature unique qui soit déclarée, le RDPC n'aura de cesse de la torpiller et de faire en sorte qu'elle avorte. Et ils ont les moyens de le faire. Donc c'est des négociations. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'aujourd'hui, à ma connaissance, la plupart de ces leaders se parlent. Ils sont conscients d'une chose. La différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que les autres candidatures, les autres coalitions qui se sont formées dans l'opposition sur les élections précédentes étaient l'émanation des leaders. Cette fois-ci, c'est le peuple qui réclame la coalition. Nous, on est tous les jours interpellés. Moi, je suis tous les jours interpellé. Dès que je fais un post sur Facebook, les gens me disent « Écoute, M. Mahel, tout ce que tu nous dis là, c'est bien intéressant, mais dis à ton leader qu'il aille voir les autres et qu'ils se mettent ensemble. » Et ces leaders-là, ils discutent. Il y a des émissaires en ce moment-ci, il y a des messagers qui vont d'un camp à l'autre. Les discussions sont en cours. Mais c'est des discussions qui portent sur plusieurs points, qui sont des points importants et non négligeables, qu'on ne peut pas prendre à la légère. Mais ce que je peux vous dire avec assurance, c'est que ces leaders-là, ils se parlent. Alors, et que la perspective de la coalition n'est pas avortée. Non, je voudrais, laissez-moi aller, il faut que le temps de parole soit équitablement établi. Pour revenir à l'affirmation péremptoire de mon confrère Henri Séverin qui dit que pour aspirer à la magistrature suprême, il faut un préalable, celui d'avoir été au Sérail. Je voudrais juste prendre l'exemple de la nation que nous considérons comme étant la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique. Dans quel sérail a été M. Donald Trump? C'est un businessman. Mais il gouverne l'Amérique avec le bonheur qu'on connaît. Non, qu'il gouverne avec le bonheur ou avec le malheur, on ne sait pas, il gouverne. C'est une question. Nous disons que c'est avec le bonheur qu'on connaît. Non, il a accédé à la magistrature suprême sans avoir été au sérail. Prenons l'exemple du pays qui nous est le plus proche, la France. M. Macron ne me semble pas avoir été un homme du sérail en tant que tel. Il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Pendant combien? Il a été secrétaire général. Non, il a été
secrétaire général de l'Élysée, certes, il a été adjoint. Oui, mais est-ce que ça fait de lui Non, c'est bien noté, je pose la question. Est-ce que Emmanuel Macron peut aujourd'hui être considéré comme un cadeau de la politique française? Je dis non. La preuve, c'est que personne, même aucun analyste, ne vendait cher sa peau. Ce gars est arrivé un an avant l'élection et tout le monde a dit que non, il sera battu à plate couture. Et il a balayé la classe politique en place parce qu'il est venu avec de nouveaux paradigmes. Et il est important aujourd'hui que vous, les analystes politiques et les acteurs politiques, tiennent compte de ce que aujourd'hui il est important d'intégrer les nouveaux paradigmes en politique. On ne peut plus aujourd'hui faire la politique au Cameroun comme on la faisait en 1992. J'ai énormément de respect pour ceux qui étaient les acteurs politiques à cette époque-là parce qu'ils travaillent, ils sont bataillés dans des conditions extrêmement difficiles. Mais aujourd'hui, il faut voir qu'il y a une nouvelle orée. Donc, on ne peut pas partir sur des histoires péremptoires en disant « ceux-ci ne peuvent pas, ceux-ci peuvent, ceux-ci ne peuvent pas ». Il y a son monnaie, il y a, quand on revisite le passé, quelques doutes sur la sincérité des opposants à se mettre ensemble. Je vous prends un cas précis. Issa Tchiroma a été presque le porte-parole du CNR, la Coalition pour la Reconstruction et la Réconciliation, en 2004. 3 ans ou 4 ans après, il annonçait son entrée en campagne pour la modification de la Constitution en permettant au président Biya de se représenter. Alors, peut-on croire à quelqu'un qui proclame aujourd'hui être opposant, prêt à coaliser avec les autres pour renverser le régime? Peut-on croire en celui-là aujourd'hui au regard des faits? Oui, on peut croire. Première raison, j'ai eu envie d'applaudir en écoutant tout à l'heure Paul Mahé. Parce que là, je vais parler d'abord comme électeur. Comme électeur, je n'aurais véritablement l'envie d'aller voter que si je me rends compte qu'il y a une véritable... C'est-à-dire le 7 octobre que nous avons eu une coalition de l'opposition, la vraie opposition. Parce que là, vous nous amenez à nous mélanger. Non, dans la coalition nationale pour la reconstruction, en 2004, on avait l'impression que c'était la vraie opposition. Non. On a vu quelques-uns regagner les rangs du pouvoir plus tard. Ça, c'était à la suite de... Maintenant, pour répondre vraiment à votre question, je crois que la coalition est possible. Première raison, c'est une nouvelle génération. Vous entendez bien, chaque fois qu'on parle de coalition de l'opposition, il y a environ 4 ou 5 noms qui reviennent. Permettez-moi de faire leur publicité sur ce plateau. J'ai dit que c'était pour des raisons. Voilà. Il y a Akeremouna. L'occupation de l'espace médiatique, oui. On l'a dit. Il y a Akeremouna, il y a Joshua aussi, il y a Maurice Kamto, il y a le jeune Cabral Libi, il y a un autre jeune, c'est Jespoir Matoba. Vous allez voir, que vous le vouliez ou non, il y a des noms qui émergent quand on dit coalition de l'opposition. Et vous verrez bien que c'est une nouvelle génération. Merci. En d'autres termes, depuis 1992, on a eu une génération, ça il faut le dire, ça va peut-être les choquer, on a eu une génération d'opposants qui en fait ont profité de l'immaturité du peuple lorsqu'on parlait de nous sommes entrés dans le multipartisme comme ça, des gens sont arrivés, se sont positionnés comme des opposants, mais qui en fait qui jouaient leurs cartes. Donc, que vous nous parliez des échecs qu'il y a eu par le passé, des personnes qui ont fait des annonces et quelques mois plus tard posaient des actes contraires, c'est une autre génération. On a espoir que la nouvelle génération, parce que regardez bien cette élection, elle est différente de toutes les autres élections présidentielles parce que le profil, le président Biya, hormis 2 ou 3, là on a Gagaman et on a Adamou Ndamdjoya qui sont les classiques. Vous avez pour l'essentiel ce qui constitue une offre considérée comme sérieuse de l'opposition. Ce sont les... Ils sont tous nouveaux à cet exercice-là. Ça peut être un élément qui me fonde à croire qu'on peut avoir une nouvelle... D'autant plus que c'est une demande aujourd'hui. Voilà. Moi, je vous dis comme électeur, je ne me sentirais les ailes de poser un certain nombre d'actes et de sentir qu'il y a une véritable compétition politique, que s'il y a un véritable bloc de l'opposition. Saint-Éloi Bidoun, est-ce que vous êtes contaminé par l'optimisme de Paul Mahé autant que ça m'étonnerait. Est-ce que vous pensez qu'une opposition unie peut renverser, bon, entre guillemets, peut venir à bout de votre RDPC?
Je me souviens que M. Marafamidou Yaya a écrit dans une de ses tribunes pour sortir vraiment que le président de la République lui avait dit un jour, vous êtes combien de ministres quand vous vous plaignez des effectifs? Vous êtes combien de ministres? Les autres, c'est des fonctionnaires à qui on a donné le titre. Je suis un peu tout simplement respectueux de la candidature de Maître Akere Mouna, Maître le Cabral Libi, de Jossi et autres. C'est ça qui permet de comprendre que le président Biya est irréversiblement tourné vers l'amélioration du processus démocratique. Et ce sont des... Ce serait le fait du président Biya, ses candidatures? De toutes les façons, on aurait pu les disqualifier. Leurs candidatures sont admises. Et pour quelle raison les disqualifieraient-ils? Par le passé, on avait disqualifié d'autres candidatures. Pour quelle raison? Dites-moi une raison pour laquelle on invaliderait une candidature qui remplit les conditions légales prévues par la législation. Peut-être c'est des concessions. Si vous nous dites que par le passé, vous avez éliminé les opposants. C'est les opposants qui brillent par leur témérité sur la scène politique. Parce que, une chose est sûre, le président Biya gagnera. La bataille qui se fait en ce moment est une bataille de positionnement pour le leadership de l'opposition. Rendez-vous en octobre. Le président gagnera. Rendez-vous en octobre. Henri Séverin Assembé, le président du RDPC, le président de la République, le chef de l'État, gagnera une sixième fois, repartira pour un septième mandat. Naturellement, c'est la candidature la plus aboutie, étant entendu qu'elle dispose de l'infrastructure et du capital qui lui permet d'aller vers la victoire de cette élection. Vous savez que le SDF, qui se positionne comme leader de l'opposition, est passé de 37... Au regard des chiffres, qui ne se positionnent pas au regard des chiffres, le nombre d'élus. 37% en 92 à 10% lors de la dernière élection présidentielle. Il est passé de 43 députés à un moment donné, à quelques députés en ce moment. Cela rend très bien compte de la faiblesse dans le leadership de l'opposition et souhaitons tout simplement bon vent aux nouveaux arrivants. Je voudrais juste te poser une question. Est-ce que vous avez une idée du taux d'abstention qu'on a eu à la dernière élection présidentielle dans ce pays en 2011? Une élection, je pose la question. Est-ce que vous avez une idée? Donc imaginez que ces 37% ont voté en 2011. Une élection présidentielle se comptabilise sur la base des suffrages valablement exprimés. Les abstentions ne comptent pas. Merci pour cette question. Okay. Monsieur Mouchili, est-ce que vous pensez pouvoir placer un mot d'expert de questions? Je suis électeur, en tant qu'électeur, pour sortir de ce débat. Il faut dire que ça a été très intéressant de suivre un peu les appareils politiques discutés tant sur le G20 et autres. Mais je crois que l'attitude du jeu va clarifier au point de chose, c'est de faire tomber le mythe de l'étiquette parti d'opposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a affaire à des partis et de ces partis, nous attendons des programmes. Parce que je me demande, si le G20 s'était réuni pour apporter son soutien à Akere Mouna, que serait la réaction de Maël aujourd'hui? Pas certainement celle qu'il a aujourd'hui. Donc, je n'ai rien dit sur le G20. Vous avez semblé vous demander ce que ça apporterait et ce qu'ils attendent en retour. Alors moi, ça me renforce sur le fait que nous sommes entrés, il y a 300 partis. On va commencer à faire le tri et nous attendons les programmes et non plus les étiquettes partis au pouvoir, partis de pouvoir. Et vous parlez, puisque vous parlez des programmes, l'émission L'Arène consacre ses éditions du mois d'août et de septembre à la présentation des programmes des candidats ou du bilan du candidat en fonction. Nous avons reçu le ministre Grégoire Onah il y a deux semaines pour parler du bilan sectoriel des grandes réalisations pour ce qui concerne la sécurité sociale et le travail. Dimanche suivant, nous avons reçu Serge Espoir Matomba qui a présenté son programme. Nous attendons les autres, votre candidat Akere Mouna, Maurice Kamto, Joshua aussi, et tous les autres candidats qui se prêteront au jeu. Voilà, merci mesdames et messieurs. Il n'y a pas de dames ici, mais il y a des dames, il y a des dames en back-office. Vous avez compris qu'elles sont là et je suis séduit par leur sourire. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Je souhaite à nos téléspectateurs et à vous-même un bon repos, un bel après-midi à regarder Canal 2. J'espère que vous reprendrez, vous serez câblé dans quelques minutes après avoir quitté ce studio. Je vous retrouve dimanche prochain pour L'Arène, le décor qui m'est habituel, et retrouver la semaine prochaine Boubangomna pour la présentation de Canal Presse. Bonsoir.